Bien, bonjour à tous. Alors, on va faire comme d'habitude, hein, on va commencer tranquillement. Est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous avez l'image? Et surtout, est-ce que vous entendez les criquets? Parce que si vous entendez les criquets, ça veut dire que c'est bon, vous entendez le son du jeu. C'est... Alors, il y a Mekaflux qui dit un rover sur Minmus, je suppose, pas Minus. Mais non, on va déjà aller sur la Mune. Et on va voir si on a le temps d'aller sur Minmus aussi. Bon, ça criquette, ok, c'est parfait. Alors, on va pouvoir y aller. Prépare-toi, quoi. Ah, ah oui. Oui. Alors, si je fais ça normalement. Ok, nous avons KSP. Oui, on entend tout, même les platistes. Ok. Alors, c'est parti. Donc, la dernière fois, on en était resté sur un vol retour de la Mune. Qui s'était un peu mal passé à cause d'un pilote automatique trop zélé qui a voulu corriger une trajectoire. Enfin, il a bien fait, sauf que comme c'était pas prévu, il a cramé tout le fuel qui nous restait. Alors, ce que je vais faire par contre, moi, je vais couper un peu la lumière là parce que sinon je l'ai dans la gueule et je vois rien sur mon écran. Alors, donc on en était resté là, mais on a ramené suffisamment de science et de pognon. Pour débloquer, je pense, ma version du vaisseau Munaire adaptée à l'emport d'un. C'est lequel? Je ne sais plus. Adaptée à l'emport d'un rover. Alors, non, ça c'est le gros. On va prendre le plus petit. Donc, ça devait être celui-ci. Il me semble que j'avais dû faire une ou deux adaptations parce qu'il y avait des pièces qui manquaient. Bim, machin truc, je sais plus ce que c'est ça. Ah oui, je sais ce que c'est. C'est les trucs là. Et donc, est-ce que c'était ça, cette version-là? Il me semble que j'avais fait ça la dernière. Oui, c'est ça. J'avais fait une légère modification à partir des pièces dont je dispose. Là, normalement, on est bon. Alors, je vais juste vérifier que le staging est bon. Alors, d'abord, ça, on s'en sépare. On se sépare de la tour de sauvetage. On allume les moteurs principaux. On se sépare de. On se sépare de quoi, là? Ah oui, du réservoir et de la coiffe. Ça, c'est l'étage de remontée avec ses quatre. Non! C'est bon. Ok. Et donc aujourd'hui, on va utiliser. Où est-ce qu'il est? C'est celui-ci normalement. On va utiliser ce rover que j'ai conçu spécialement pour la Mune, mais qui fonctionne aussi sur Duna, il n'y a pas de souci, sur n'importe quel autre astre en fait. Je ne l'ai pas essayé sur Minmus. Minmus, je crois pas avoir jamais vraiment emmené de rover parce que Minmus, la gravité est tellement faible que déjà conduire sur la Mune, c'est galère. Alors conduire sur Minmus, voilà, je veux même pas savoir. Alors, je vais le reprendre et je vais juste vérifier un truc avant de partir, c'est que j'embarque tout ce qu'il faut dans le rover. J'ai comme un doute. Ok. A priori, on est bon. Et j'avais tout débloqué là. Weather Analyzer, ça on peut pas l'utiliser de toute façon. Ok, bon bah alors ça doit être bon. Merci, je vois pas. La Kalash, merci pour le sub. Il y a une Kalash qui est abonnée à ma chaîne. Ok. Alors ben, je crois qu'on est bon. Alors qui est-ce qu'on va envoyer? Alors vous avez déjà votre étoile, vous irez sur Minmus. Hein. Alors la dernière fois on avait Henry, Rangas et Werfray qui se sont fait un peu peur sur le coup là. On va envoyer l'équipage suivant qui n'a pas encore volé. Phil, Hans et Aubry. C'est ça. Et on va tout de suite leur choisir des tenues appropriées. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Le pilote, je le mets comme ça. Sauf que c'était pas le pilote. Ok, on va mettre le pilote comme ça. Scientifique en bleu.
ingénieur en orange. Voilà, comme ça, je les reconnais de loin. Merde, faut que je clique sur le... Ok, c'est bon. On est prêt à y aller. Je pense qu'on est prêt à y aller. Prépare-toi, quoi. Ah, oui. Eh ouais, hein, prépare-toi. Dommage qu'on peut pas s'abonner en Prime depuis le téléphone. Je l'ignore. Ah, au fait, je suis passé... Je suis passé partenaire, c'était quand? C'était hier, je crois, j'ai eu la notif. Donc voilà, je suis partenaire Twitch. Je n'ai plus le droit de streamer ailleurs. C'était écrit dans le mail. J'ai un contrat d'exclusivité de 2 ans, je crois. Bon, ok. Bon, on va pouvoir y aller. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ah, mais je m'inquiète pas. Allons-y. Le pilote automatique est engagé avec une apogée à 500 km. On va essayer de circulariser à 500 km d'abord avant d'aller vers la Lune. Et je crois que tout est prêt. Alors, il reste plus qu'à... Elle est pas très esthétique. Il n'est pas très esthétique, ce lanceur, mais il marche bien. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de choper suffisamment de vitesse... avec ces 4 boosters pour sortir de l'atmosphère, pour avoir une apogée suffisamment élevée. Et le reste, je le ferai uniquement avec mes 2 petits moteurs nickelaire. On dit nickelaire. Et je l'ai pas ce même-là d'Homer Simpson, faudrait que je le cherche. C'est nul! Alors bon, c'est con, on décolle de nuit donc on voit pas grand-chose. On a une apogée de 30 km, on est depuis longtemps max Q là, enfin max Q, on a dépassé la limite que j'avais fixée. Et là, bon, mon apogée grimpe en flèche, on a dépassé la limite de Karman, on va pas tarder à dépasser les 100 km, top, voilà. 150 km d'apogée, enfin d'apoapside, 200 km, 250, 300, 350, et on se sépare de tout ce bordel, voilà. Et là maintenant le vaisseau est dans sa configuration avec laquelle on va aller sur la Lune. Il n'y a plus rien à larguer, on est paré. Alors ce qu'on va faire, on va sortir tout le bordel, donc panneaux solaires, les antennes, voilà, je dois avoir un radiateur, et je crois que c'est bon. Donc cette pièce-là, quand vous l'avez en mode rover, il n'y a rien sur les côtés, et quand vous l'avez pas en mode rover, il y a des portes, hein, j'espère que vous les aviez remarquées. Et dans ces portes, on peut ranger plein de conneries, en fait. Des bons gros placards. Je m'en sers systématiquement. D'après l'astrophysicienne égyptologiste et experte en pyramidiologie astrale, Jacqueline Grimol, tout ce programme spatial n'est qu'une vaste mystérie. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc on est encore en train de faire grimper notre apogée. Et alors les moteurs atomiques sont pas super puissants, mais à partir du moment où j'ai déjà une apogée qui est très élevée, j'ai largement le temps avant de retomber de choper la vitesse qui me manque. Je pense que je vais faire, je vais quand même accélérer la simulation, sinon on y est encore demain. Et en fait là il est pas tant en train d'augmenter notre apogée que d'augmenter notre périgée. Faut que j'a... Ouais bon on va dire périgée, d'accord, on s'en fout si c'est carbine. Il est surtout en train d'augmenter notre périgée vu la direction dans laquelle il pousse. Et bien entendu là-dessous est caché notre rover. À quand un test d'une ED Apo 80 ou 70 ED pour le Nomade avec la Star Adventurer ou AZ GTI?
Il était possible qu'on fasse un live avec, Nico cette semaine, et donc c'est lui qui ramenait du matos. Finalement, ça s'est pas fait, mais je vais lui en parler, à moins qu'il ne soit là, je l'ai pas vu. Faudrait qu'on fasse un live une fois avec une 80ED. Bon, ça zoome pas de ouf, hein, enfin ça grossit pas de ouf la 80ED. Donc vous attendez pas non plus à... Enfin, il y a déjà les trucs qu'on peut voir, hein, les dentelles du cygne, M42 en hiver, ce genre de choses. On peut déjà bien s'amuser, mais clairement les petits objets genre M51, vous attendez pas à les voir, quoi. Enfin, si on les voit, mais on voit 3 pixels, quoi. D'après les réseaux sociaux kerbiens, un ovni traverserait l'atmosphère kerbienne en ce moment. À nouveau accélérer la simu. Vu le mouvement de caméra, je pense qu'on est en orbite. Ah bah oui, apogée à 150 km maintenant. Ce renflement là au milieu du vaisseau n'est pas très esthétique, mais ça fait le taf. J'aurais vraiment aimé réussir à mettre au point un rover qui s'intègre vraiment bien sous le fuselage et tout, mais je suis pas arrivé. Et pourtant j'ai testé. Alors, nous ce qu'on veut, c'est la mune. Alors, allons-y. Je vais lui demander un transfert de Oman. Je crois que c'est bon. Bon, alors faut qu'on se tape une orbite d'abord. Pour avoir vraiment le truc optimum, mais ça me va. Alors, est-ce qu'on a droit à une petite accélération de la simu? Oui. Ce décollage était fait en studio, tout ça est faux. Vous êtes chaud, hein, aujourd'hui. Hein, le rover ne peut pas être placé verticalement dans la fusée. Alors, si, probablement, mais ça me complique largement l'existence. Après pour le déployer, parce qu'en fait avec ce système là, alors c'est pas le cas sur cette version du vaisseau, mais dans la version au-dessus, alors celui-ci il est juste attaché par un dock, et je crois qu'il n'y a rien sur le vaisseau, donc il se détache et il peut pas se rattacher. Mais dans l'autre version du vaisseau, je peux le rattacher, ce qui veut dire que je peux aller vadrouiller avec, alors revenir, le rattacher sous le vaisseau, aller me poser plus loin si j'ai assez de carburant, et recommencer. Et le mettre à la verticale, ça me compliquait vachement la vie quand même. J'ai lu le titre avec la voix de Sinatra, enfin j'y ai pensé très fort, bah oui, c'était un peu fait exprès. Alors il y a Thibaut Gosse qui dit KSPP, ouais, c'est Kerbal Space Program Program. Il n'y a pas les étoiles, c'est du fake. Alors justement, ce qui est bien, c'est... je sais plus quel mode fait ça. Voilà, si j'ai rien de trop brillant dans le champ, dans mon champ de vision, dans le cadre, on voit les étoiles. Et si j'ai un truc brillant, elles disparaissent. Ce qui, d'une certaine manière, est assez réaliste. C'est toi qui as fait ce design de vaisseau ou c'est un truc déjà existant? Non, c'est moi qui l'ai fait. Je les avais montrés dans le tout premier live KSP que j'avais fait. J'avais tout passé en revue, les modes, tout le... Bon décollage pour l'école, à plus les gens et bon vol, bah écoute, courage. Je suis tellement content d'avoir terminé. Il m'arrive encore régulièrement de rêver la nuit que j'ai des examens, que je dois passer des examens. J'ai jamais été spécialement angoissé pour les examens, mais c'était toujours chiant et tout. Et en fait, dans mon rêve, j'angoisse parce que merde, j'ai pas révisé, je sais pas ce qu'on va faire, etc. Et le matin, je me réveille et je dis, ah en fait non, ça va, c'est cool, mais ça fait... Enfin, ouais, ça va faire 10 ans que j'ai terminé mes études. Je sais pas combien de temps ça va continuer à me travailler, ça, mais... C'est que mon deuxième live qui n'est pas de la chasse à la saucisse. Astronomers Visual Effects rajoute plein d'étoiles pour ceux qui cherchent le mode. Ok. C'est pas moi qui vais à l'école, c'est mes enfants. Ouais, bah techniquement, t'y vas aussi. Sauf que tu restes pas. Sinon, t'es un parent indigne et puis tu regardes ça sur le téléphone en même temps que tu roules. Ne le fais surtout pas. C'est pour ça que je dis que, ça serait, que tu serais un parent indigne. Et je trouve ça...
C'est qui c'est... Ah bah Bastien, merci pour le sub. Tu vois, j'ai même mes amis qui me filent du fric. Vous savez, je trouve ça finalement assez terrible de faire une blague en disant si t'es un père indigne ou un parent indigne, parce que c'est vrai que finalement, je sais pas. T'es un parent indigne, tu regardes ça sur le téléphone en roulant. C'est une blague, normalement tout le monde a compris. Et je trouve ça terrible de me sentir obligé de préciser ne le fais pas au cas où quelqu'un aurait l'idée de le faire. Merci Columbine ou Columbine, du coup, je sais pas, pour l'abonnement. Avec Prime, ouais, c'est ça, avec Prime. Alors, voilà, c'est ça. On va adapter la trajectoire pour arriver vraiment pile là où on veut. Et après cette petite correction de trajectoire, la prochaine étape, c'est directement l'orbite lunaire. La saucisse autour de la lune, de la lune. Comment tu fais pour trouver les sons de chatreur? J'ai téléchargé le mode chatreur, c'est tout. J'ai juste téléchargé le mode chatreur, je l'ai installé, et puis bah après il est là. Alors oui, c'est tout petit parce que je suis sur un écran 4K, mais t'as les réglages du mode et voilà. C'est tout, hein, j'ai rien fait de plus. Les sons, on dirait R2-D2, je trouve pas. Alors, il me semble que pour tout ce qui est science en orbite... Ah non, attendez voir. On avait des contrats qui demandaient de faire de la science, des trucs en tout genre. Alors on va retourner là une seconde, parce que j'avais signé plein de contrats, il me semble, planter drapeau, faire de la science en orbite, tout le merdier. Alors on va tout de suite regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, transférer un équipage près de Kerbin. On fera ça quand on aura la station orbitale, plan de flag and remote, ok, bring Moonstone back with you, ça va aller. Do advanced scan with a rubber arm. Bon, on devrait être en mesure de faire tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement? Non, il n'y a que des conneries. Bon. Alors on y retourne. Ah oui, je voulais vous montrer ça du coup. Je ne l'avais pas montré la dernière fois. Voilà. Alors le mode, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Il est dans la liste. C'est... Advanced Tracking Station, ou enfin il y a un truc avec Tracking Station, et en fait ce mode rajoute ces boutons là qui permettent de trier les vaisseaux. Là j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai deux systèmes d'expérience posés sur la lune et mon bourdon en route. Pour le moment c'est tout, mais quand tu commences à avoir des satellites de télécom, 15 000 drapeaux plantés partout, etc., ça devient vite le bordel. D'ailleurs, est-ce que voilà, non, je veux tout afficher, très cher. Voilà, il y a déjà un peu plus de monde et ça me permet de trier ici par objet céleste. Autour de Kerbin orbite la Lune, sur la Lune j'ai tous ces trucs là, autour de Kerbin j'ai ces trucs là, d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a pas mal de débris là. Merde, il reste des débris. Viennent d'où ceux-là? Enfin bon, bref. Ah oui, celui-là c'est celui de la dernière fois, mais comme il a un périgée de 40 km, il rentre dans l'atmosphère, donc je vais me permettre de le virer. Ok, donc voilà, donc c'est ce mode-là, je l'aime bien parce que quand tu commences à avoir beaucoup de choses en orbite ou ailleurs, c'est vite le bordel. Et donc, je veux récupérer ce vol-là. Tracking Station Evolved, voilà, c'est ça le nom. Ça, c'est un mode et pas un truc nécessaire. C'est un mode, on peut vivre sans, mais c'est vrai que c'est quand même vachement bien. Et il considérait ce vaisseau comme un vaisseau orbital. Comme une station, bon bah ok, hein. Si tu considères que c'était une station en orbite de Kerbin, moi ça me va. Ça fait une mission en moins, on ira en mettre une quand même, hein, après, parce que pourquoi pas. Enfin, quand je dis après, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Je verrai quand je le ferai. Je sais juste qu'on va foutre une station en orbite basse autour de Kerbin. Parce que pourquoi pas. Vous imaginez si la seule raison pour laquelle on avait l'ISS, c'est parce que pourquoi pas.
Heureusement qu'il y a certains décideurs qui ont un peu plus de sens des responsabilités que moi. Alors, on va encore un petit peu descendre ce... non, on va peut-être pas descendre le périapside, là. On va rester là, on va circulariser notre orbite. Voilà. Autour de la Lune, et on va rester relativement haut. Pourquoi ? Parce que c'est carrément pas dit qu'on se pose à proximité de l'équateur. Je vais chercher un endroit où il y a minimum 2, mais je dirais au moins 3 biomes à proximité les uns des autres. Histoire de pouvoir me servir de mon rover, en fait, et de pouvoir me promener à la surface de la Lune, ramasser race de science, le tout sans se taper plusieurs vols. J'aimerais bien que dans une future mise à jour, il se penche sur la question des écrans 4K, parce que c'est vrai que les icônes là sont pour beaucoup vraiment petites. Bastien, t'es chaud, mais là ça fait suçage de bite. N'hésitez pas à soutenir Arnaud avec vos follow. Et si vous êtes des petits foufous, vous pouvez même lui offrir un sub. Merci Bastien, mais là il faut que je trouve un truc là. J'ai pas. Voilà. Quel indice. Merde, j'avais rien d'autre là. Ah si, attends, voilà. T'es un suceur de nœud. Chef, non, chef. Mon cul, je te parie que t'es capable de propulser une balle de golf à travers un tuyau de rodage. Chef, non, chef. Je ne peux pas régler la taille de l'interface. Non. Enfin, si, je peux, mais certaines icônes ne sont pas prises en compte. Le parce que pourquoi pas est une assez bonne raison pour de l'exploration scientifique. Ah, je suis d'accord, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Combien de découvertes scientifiques ont été faites en essayant parce que pourquoi pas ? Oui, oui, mais trop peu en fait. Trop peu. Alors, maintenant on va tricher. Alors, c'est Alt F12, voilà. Et ce que je vais faire dans Cheat, je vais. Hop, Biome Visible. Voilà. Et maintenant, on va étudier la surface de la Lune et on va chercher un endroit. Propice à l'exploration. Faut que les biomes soient suffisamment proches les uns des autres pour que j'ai pas non plus des centaines de bornes à faire en rover, parce que mine de rien, rouler à la surface de la Lune en rover, c'est galère. Est-ce que là, quelque part... Ah, ça fait de la route, là, quand même. Ou là, peut-être... Là, quelque part. Là. Là, ça me paraît bien. J'ai ce biome-là, celui-là, celui-là et celui-là dans la même zone. Faut juste que je trouve où me poser, là, parce que ça me paraît un peu craignos comme endroit. Ça a pas l'air très plat. Et si c'est pour qu'on se plante lamentablement, j'ai un Carlin sauvage qui s'est abonné. Merci pour le sub. Il y en a, vous avez des pseudos, vraiment, mais j'y aurais jamais pensé, quoi. Ça s'est bien passé, ta journée, aujourd'hui ? J'ai reçu un sub d'un Carlin sauvage et d'une Kalash. Je sais pas, ça me paraît, comment dire, vallonné. Est-ce que je peux me recentrer là-dessus ? Hop. Ah, merde, comment on se recentre sur le vaisseau, là ? Parce que je voudrais voir la Lune de plus près. Mais bon, tant pis. On va choisir un site... Où est-ce qu'on va aller se foutre ? J'ai envie de me mettre dans une zone à peu près plane, mais... Ici, peut-être ? Allez. Voilà. Et... on va voir ce que ça donne. Donc le concept de ce vaisseau, celui-ci ne permet pas trop de faire des sauts de puce à la surface d'un astre parce que le réservoir est en dessous des moteurs. Je peux pas me poser avec le réservoir, sinon de toute façon je peux pas larguer le rover. Ce qui veut dire que je dois larguer le réservoir juste avant l'atterro et finir avec le réservoir de l'étage au-dessus.
Mais après, ça me laisse juste assez de fuel pour repartir. Kerbin est vraiment moche avec les biomes comme ça. On va les enlever. Bon. Voilà. C'est tout pour la correction de trajectoire? Non, presque. Voilà. Ok. J'imagine que c'est comme le mal de l'espace, faut s'habituer. De quoi vous parlez? Qualité qui passe à 480p, je suis désolé. Je sais pas si mon débit a l'air à peu près stable. Étrange. Je ne saurais vous l'expliquer. Qu'est-ce qui branle? Il est en train de me faire un truc chelou là, non? Bon, j'ai largement assez de fuel pour rattraper ces conneries si jamais, mais... Il y a un drôle d'endroit là. Ah putain, je sais ce que c'est. Il y a un vieux bug dans ce jeu. Il arrive que... Bah, faut que je désactive l'auto-warp, parce que parfois quand tu warp au-dessus d'un astre, le vaisseau se décale. Et tu te retrouves dans une situation comme ça, je suis sûr que c'est ça. Et ça fait bien chier. Bon, j'ai largement le fuel pour, hein, mais fait chier, quoi. Ça, c'est le genre de bug, ça m'emmerde. C'est vraiment, t'as tout bien calculé et le jeu te dit « Oh non !» On va chier un bon coup. Et le pilote automatique, il a pas l'air d'avoir compris ce qui s'est passé, en plus. Alors, on va se le faire manuellement. Si je dis pas de bêtises, c'est par là. C'est ça. Pas tout à fait. On va... Je vais mettre un peu plus par là. Ouais, c'est ça. Voilà. On va corriger le plus gros de la connerie et après on va le laisser faire, mais par contre là je vais avoir un petit souci, je ne vais pas pouvoir mettre de warp. Il va donc falloir qu'on se tape la descente. Là le pilote automatique m'annonce une descente de 7 minutes à peu près. Il va falloir qu'on se la tape parce que si je warp là il va de nouveau aller se poser n'importe où. Enfin je veux dire il va me décaler le vaisseau et je ne sais pas pourquoi il fait ça. Et c'est assez chiant. J'ai eu ce problème un nombre incalculable de fois au-dessus de Duna, ça m'a complètement pourri des missions. Parce que bien entendu, j'ai toujours la sale habitude de ne pas faire de quick save. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais en faire une. Est-ce que je peux le faire moteur allumé? Oui. Alors autant en profiter. Ok, on est pas mal. Position rétrograde. Voilà. Allez, encore un petit coup de moteur pour ajuster. Voilà, 500 mètres de différence avec ce qui est prévu. On va le laisser faire la suite. Mais interdiction de warp. Parce que sinon, on va se mettre dans la demeure. Oups. Voilà. Et maintenant, bah on attend. Un petit message pour tous. Monsieur Roger Carrel nous a quittés le 11 septembre. Grand nom du doublage. Alors, je vais être terriblement désolé, mais je ne sais pas qui est ce monsieur. Enfin, je sais probablement qui est ce monsieur, mais je ne le connais pas de nom. Peut-être que lors d'un warp, le jeu vire des chiffres après la virgule flottante pour optimiser les calculs. Ouais, enfin là, on parle de vaisseaux qui restent immobiles au-dessus de la planète et la planète qui tourne, tu vois, ce genre de truc. Je sais, la voix d'Astérix... Ouais. Ah oui, effectivement, ouais, je vois qui c'est. Oui, effectivement, je le connais. Mais ça, c'est un peu la malédiction des doubleurs. C'est, on connaît tous leur voix et on connaît pas leur nom ou leur tête. À quelques exceptions près, vous avez peut-être déjà vu la tête de Benoît Hallemann, par exemple, parce qu'il est vraiment super connu. Mais sinon, pour vous, c'est la voix d'Oncle Benz ou de Morgan Freeman, quoi. Et d'ailleurs, il y en a sûrement beaucoup qui ne connaissent pas la tête de Benoît Hallemann. En fait. Donc c'est le grand malheur des doubleurs. Et Pierre Tornade, c'était pas... c'est un qui est mort aussi il n'y a pas longtemps, non? C'est pas celui qui faisait la voix de Bruce Willis ou un truc comme ça?
C'était aussi maestro dans la série des dessins animés du style Était une fois la vie. Obélix. Le mec qui double Defecator a jamais oublié. Et oui, doubleur, c'est ingrat, comme beaucoup d'autres boulots, comme genre éboueur, par exemple, c'est ingrat, et pourtant c'est tellement indispensable. Prostituée, c'est pareil, c'est terriblement ingrat. Et pourtant, je pense que s'il n'y en avait plus, on se retrouverait avec un sacré bordel. Et c'est des boulots qui... Alors bon, là, c'est pas comparable avec juste, entre guillemets, doubleur, mais il y a énormément de boulots qui devraient être largement revalorisés par rapport à ce qu'ils sont. Et non, la mune n'est pas plate. Ah, il a fait Kermit la grenouille aussi. Ouais, bon, de toute façon, ils se contentent pas d'un rôle, les mecs, sinon ils bouffent pas. Hein. Mais... Rectification, les gens décident que c'est ingrat. Je sais pas. Parce que bon, c'est quand même des métiers que personne n'a envie de faire, pour beaucoup. Alors, encore une fois, je parle pas de doubleur, mais genre, éboueur, comme ça, tout de suite, tu te dis, tous les jours, tu bosses dans le froid, manipuler les ordures des autres. La seule raison pour laquelle je voudrais faire ce boulot, c'est la paye. C'est pas le genre de choses que j'envisagerais de faire par passion, par exemple. Donc je pense que l'ingratitude, elle vient de là. Il y a des métiers du style youtubeur qui sont largement surévalués parce que les gens s'imaginent que c'est toujours génial, etc. Enfin, le boulot est pas spécialement chiant, mais je veux dire, c'est comme musicien, j'allais dire rockstar, mais rockstar c'est pas un métier, c'est musicien le métier, mais ou tous les boulots de la télé, etc. Les gens le valorisent parce qu'ils ont envie de le faire. C'est des boulots qu'on fait pour beaucoup par passion. Donc ça donne envie. Éboueur, tu le fais pas trop par passion. Tu peux faire ébéniste par passion, peut-être même plombier, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'éboueurs passionnés par leur boulot. Et je pense que c'est ça qui les rend ingrats. C'est exactement comme prostituée, en fait. Hein. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent par passion. Probablement, hein, mais je pense que la plupart le font par obligation. Que ce soit par quelqu'un d'autre ou juste parce que c'est le seul moyen qu'elles ont de se nourrir. Donc je pense que c'est ça qui fait l'ingratitude de ces boulots, c'est que personne veut les faire, mais qu'il faut bien que des gens les fassent quand même. À l'hôpital, il y avait un jeune médecin qui gagnait moins que son père éboueur au début. Oui, quand t'es interne, tu gagnes pas grand-chose. Et justement, parce que le métier d'éboueur est ingrat, il a fallu le revaloriser et c'est plutôt bien payé, que je sache. D'ailleurs, il me semble que c'est dans la ville de New York, il y a plusieurs années de liste d'attente pour faire éboueur, tellement le truc est valorisé, quoi. Alors, on a commencé notre... Être éboueur, c'est un peu comme être modo sur Twitter, tu débarrasses des tas d'ordures. Bon, ça va, je trouve que jusqu'ici, mon chat est assez propre. Je sais pas ce que t'en penses, Bastien, mais a priori, vous avez normalement pas eu à kick trop de monde jusqu'ici. Idem, je paye mes études en donnant des tracts à la sortie du métro, j'aime pas ça, mais ça m'est indispensable, bah ouais. Et il y a des tas de boulots comme ça, tu te rends compte à quel point ils sont indispensables le jour où les mecs sont en grève. Et c'est là que tu te dis, ouais, revenez, on va vous donner ce que vous voulez. On se lève à 5h, on finissait à 13h. J'ai fait éboueur en job d'été, c'était super marrant, parce que merde, ça défile trop vite. Parce que... Les gars sont top, marrants, humains. Ah oui, mais ça, je n'en doute absolument pas. Hein. Mais moi, quand j'étais petit, j'entendais des trucs, alors pas spécialement mes vieux, mais je veux dire, ça me rappelle même une planche de Boule et Bill, c'est si tu bosses pas bien à l'école, tu seras éboueur. C'est un peu le pendant de si tu bosses pas à l'école, tu iras à l'usine. Ça montre le côté ingrat du truc. Et même si les gens sont, je pense, reconnaissants, il n'en reste pas moins, je vais pas dire méprisant, parce que je pense pas, ça me serait jamais venu à l'idée, moi, personnellement, de mépriser un éboueur, mais je pense que les gens ont du mépris pour la profession.
On se dit que c'est un truc d'illettré, que tout le monde peut le faire, etc. Je pense que c'est ça aussi. Et oui, ça paye pas mal. Mais justement, je pense que c'est nécessaire. Parce que si tu prends un boulot ingrat et qu'en plus tu le payes une misère, personne ne le fait. Et du coup, tu te retrouves en rate de personnel. Donc il faut valoriser les choses comme ça. Et c'est là que je me dis que... Il doit aussi y avoir un problème avec le personnel hospitalier, les infirmières, infirmiers, tout ça. Je pense que c'est des gens qui devraient plus souvent dire merde. Seulement, comme ce sont des gens qui sont finalement extrêmement altruistes, hein. Tous ceux que je connais, en tout cas, ils comptent pas leurs heures, ils comptent pas les heures sup, pas payées, etc. Juste parce que le boulot doit être fait, tu peux pas laisser le vieux dans sa merde, tu peux pas ne pas faire le bandage, etc. Il faut faire le taf. Donc ils le font. Et ils disent pas assez souvent merde, en fait. Ils disent pas assez souvent je reste à la maison. Et je pense que c'est ça qui fait que leur boulot n'est pas revalorisé, n'est pas mieux payé ou pas avec plus de personnel, etc. C'est parce que les dirigeants, ceux qui sont responsables de ça, je sais pas à quelle échelle, se disent de toute façon on peut les traire comme des vaches à lait. Ils peuvent pas vraiment se plaindre ou ne pas venir ou quoi. Ils s'obligent à le faire pour beaucoup, donc on va continuer à tirer sur la corde. On n'a pas largué le réservoir là. Il y a un truc qui est resté attaché là, comment ça se passe? Ah non, c'est bon. Ah, par contre, j'ai oublié d'activer le réservoir et on est arrivé un peu trop fort. Hop. Pas de conneries. Je sais pas ce que j'ai pété. J'espère que j'ai pas pété un truc important là maintenant. J'avais coupé le réservoir central. J'avais complètement oublié. J'avais coupé le réservoir central parce que sinon il me le vidangeait avec l'étage du dessous et j'ai pas trouvé comment l'en empêcher. Et j'ai pété quoi? J'ai pété les moteurs. Putain. C'est pas super grave. Enfin, c'est moche, mais on devrait pouvoir se débrouiller. Ah ouais, alors non, attendez. Là, j'ai que du carburant, pas de comburant, et les moteurs là fonctionnent avec les deux. Et avec les moteurs là, on va pas aller bien loin. Je sais pas ce que j'ai comme Delta V dans cet étage là, mais pas grand chose. Et il fallait qu'il me bousille les deux moteurs. Putain de merde. Bon, bah, c'est pas grave, on va lancer un vaisseau automatique inhabité, on va le faire se poser à côté. C'est con, mais décidément, quand ça veut pas. Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin de couper les moteurs dans la checklist. Alors, on va faire ça tout de suite, en fait. Je vais laisser ça en plan. Je vais les laisser là. Je vais tout de suite préparer un vaisseau automatique et je vais le faire se poser à côté. Le strict minimum, vraiment... allez, c'est parti. C'est ça quand je jacte plutôt que de piloter. Cherche la sauvegarde. Ouais, mais là... Là, c'est pas dû à un bug. C'est vraiment moi qui ai merdé. Donc, je crois que je préfère nettoyer ma merde plutôt que de juste dire je récupère la sauvegarde. Ils ont surtout un mépris pour les métiers manuels. Moi, je suis un ancien mécano-avion et chaudronnier-avion. Et aujourd'hui, j'ai changé. Je suis en bachelor développeur web et tout. Faut voir ce que certains... intellectuels disent sur ces métiers. Bah, tu dois avoir de la chance parce que y a des boulots qui sont pas manuels, comme graphiste par exemple, ou photographe, tiens, et on te dit aussi, mais sinon, t'as un vrai métier? Combien de fois on me l'a dit ça? Et sinon, t'as un vrai métier à côté de la photo? Sous-entendu, c'est pas un vrai métier. C'est pas très classe, quoi. Je peux peut-être me contenter de juste envoyer un truc comme ça. On va même l'alléger encore, la race, parce que ça, on n'en a pas besoin. Et on va lui rajouter un module automatique, parce que ça va s'avérer nécessaire. Ah oui, merde. Merci pour le sub, c'est frul. Alors là, je suis en train de me dire merde, parce que je crois que je les ai posés du côté caché de la mune. Et j'ai pas de relais pour piloter ce truc à distance, maintenant.
ça veut dire qu'il faut que je mette des satellites de télécom en orbite autour de la Lune pour aller les chercher. Ou alors, je fais un vaisseau un peu plus grand, j'emmène un Gus avec 3 places vides. Je crois que ça va être plus simple. Oui, mais du coup, je vais pas partir sur cette base là. Est-ce que j'ai quelque chose dans mes vaisseaux tout faits, genre là? Est-ce que ça va juste... Non, déjà, il n'y a pas le... On va partir sur... on va partir sur la même base que celui-ci. Là, je peux embarquer un Gus. Ouais, laisser les autres places libres. On va peut-être juste essayer de se débarrasser un peu de poids mort, là. Un seul rover. J'allais dire, j'ai pas besoin d'emmener le rover, mais comme je me connais, je vais encore bousiller un truc important sur le rover là-bas. Bon, ça, c'est un vaisseau pas trop cher, donc à la limite... Allez, je suis sûr que Gbedia, ça lui manque. Et faire un tour dans l'espace, donc il va y aller tout seul. Allez, bah c'est parti pour un deuxième lancement. On est tout bon, on est tout bon. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, mais je dois dire que je ne m'inquiétais pas non plus... Je m'inquiétais pas non plus pour l'autre vol, et pourtant on a fait des conneries. Fallait pas commencer tes conneries, tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. Bon bah du coup, je suis trop mauvais, pilote. Je vais finir éboueur du coup. Bah, on va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la préserver. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'il y a des boulots qui sont extrêmement délétères pour la santé, mais ne rien faire, d'une certaine manière, c'est pire. On observe pas mal de cas de dépression, par exemple, chez les gens qui font rien de la journée, qui restent chez eux, etc. Et on se rend compte, par exemple, qu'il y a un bon truc pour la combattre, c'est faire du bénévolat, ce genre de choses. Si vraiment t'es coincé, tu peux rien faire de ta journée, fais du bénévolat. Tu te sentiras beaucoup mieux, par exemple. On constate aussi qu'il y a des tas de gens qui sont très actifs et arrivés à la retraite, du jour au lendemain, ils font plus rien. Et je vais pas dire qu'ils dépérissent, mais ça leur va pas très bien, quoi. Alors par contre, il faut aussi que je me méfie d'autre chose là. C'est est-ce que je vais pas me retrouver à devoir me poser de nuit. Parce que le temps que j'arrive, la Lune va tourner. Et ça risque de me compliquer un peu la tâche. À voir. Mais c'est dingue, hein. D'habitude, quand je suis tout seul, ça, j'y arrive, mais je... Sans aucun problème du premier coup, mais je suis tellement en train de discuter avec vous au moment clé que j'oublie de faire les trucs importants. Je confirme en télétravail avec peu d'activité. Heureusement qu'il y a des streams à regarder, parce que sinon les journées sont longues. La retraite, chaque départ que j'ai vu, ça sent la tristesse. Il y a... Vous savez, c'est pour ça que je me dis, j'ai un métier quand même globalement intellectuel, dans le sens où je peux vraiment pas dire qu'il est physique. Comme je travaille à mon rythme, etc., si j'avais 70 ans, je pourrais continuer à le faire, là, j'aurais aucun problème à le faire. Et c'est pour ça que je me dis que, je pense bien qu'à 70 ans, je serais plus youtubeur ou streamer, hein.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'espère pouvoir garder le reste de ma vie à un boulot intellectuel qui me plaît. Comme ça, bon, j'espère aussi garder toute ma tête, hein, parce que si je deviens sénile, évidemment, la question n'est pas la même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me vois bien continuer à travailler en fait au-delà de la retraite si j'ai un boulot qui me passionne. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu des vieux maîtres de conférences, les mecs ils ont 90 piges et ils continuent à faire des trucs, ou des chercheurs par exemple. Des chercheurs qui sont très vieux et pourtant ils sont encore dans le truc. Je pense que c'est des gens, alors il y en a peut-être dans le lot qui ont juste besoin d'argent, hein. Mais je pense que dans le lot il y en a aussi qui bossent par passion et qui peuvent pas vraiment s'arrêter en fait. Sinon ils s'ennuient, sinon ils ont besoin de continuer à faire des trucs. Alors c'est pour ça qu'on voit beaucoup en Asie des papiers mamies qui vont encore au champ à 90 ans. Eux c'est peut-être parce qu'ils ont besoin de subsistance. Mais sinon je pense qu'il y a des... Bah, regardez par exemple comment il s'appelait... le chanteur qui est mort, vieux. Il n'y a pas très longtemps. L'Arménien. Aznavour, il avait quel âge quand il est mort? Il était encore en train d'enregistrer un disque. À mon avis, il manquait pas d'argent. Il faisait ça... À ce stade-là, il faisait ça par passion, quoi. À mon avis, il manquait pas de fric. Annie Cordy. voilà. Mais... Johnny, il est pas... il est pas arménien. Enfin, voilà. Ouais, 94 ans. Et donc, je pense qu'il y a... Qu'il y a des gens qui font encore des boulots très vieux par passion, et en fait j'espère en être quelque part. J'espère ne pas vraiment avoir besoin de toucher une retraite, parce qu'en fait je continuerai à bosser quelque part. J'espère continuer à bosser toute ma vie dans quelque chose qui me plaît, tout le temps avoir des projets, et peut-être encore à 90 ans dire hey, « Eh, j'ai envie de faire ça !» Mais bon, on n'y est pas. Une fois au supermarché, une mère m'a pointé du doigt et me montre à son gosse. J'étais en tenue de travail, j'avais la gueule noire, bah oui, la forge. Et dit à son gosse que s'il travaille mal à l'école, il finira comme le monsieur là-bas. Classe. C'est très classe. Du coup, je suis allé voir la dame, je lui ai dit que j'avais mon bac, un BTS, deux autres diplômes et que je suis mon propre patron. Et du coup, j'ai dit à son gosse de ne pas écouter sa mère et surtout de faire le métier qu'il voulait. Mais ouais. Tac dans ta gueule, ouais. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, hein. Bon, moi, mes parents m'ont dit « fais des études », dans le sens aussi où il fallait un bagage intellectuel, machin, etc. Mais en vrai, si moi, j'ai un gosse qui me dit « j'ai pas envie de passer mon bac ou faire un bac pro, enfin, tout de suite aller bosser, etc., parce que je veux faire ça et je kiffe et machin », ah bah, je vais pas lui dire non. Clairement, mes gosses, dans la vie, il faudra qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment. Si tu prends un boulot par défaut, je leur dirais « Ok, tu fais ce boulot juste pour l'argent. Dans deux ans, t'es parti parce que tu le supportes plus. Fais plutôt quelque chose que tu aimes. Et voire même, essaye d'être ton propre patron. » Je les brieferai là-dessus parce que je commence à avoir un peu d'expérience dans le domaine. Mais clairement, dans la vie, l'essentiel, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Je sais que c'est pas toujours facile. Et je sais qu'il y a des tas de gens qui vont dire « Ah bah ouais, mais moi, mon boulot, c'est alimentaire. » D'ailleurs, je sais plus qui le disait avant. « Je distribue des tracts et j'ai pas le choix. » Mais oui, il y a des boulots alimentaires et j'en ai fait aussi. Hein. Et c'est pour ça que je me rends compte d'à quel point c'est casse-couille. Mais si vous avez une passion dans la vie que vous pensez pouvoir faire du fric avec, ou que vous avez le temps de vous former un peu le soir sur internet après le taf ou quoi, faites-le. C'est pas à la portée de tout le monde, hein. Et puis il y a aussi les gens toujours qui disent « Ah bah ouais, mais j'ai 4 gosses et tout ». Oui, je sais que c'est pas évident, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous avez encore le temps de le faire, genre je suis étudiant, j'ai pas encore de gosse, j'ai pas d'attache, machin, faites-le maintenant. Mais si vous faites un boulot qui vous plaît, vous bosserez jamais en fait. Bah, je suis en train de jouer à un jeu vidéo là. Il est dur mon boulot quoi. Bon, ce matin j'ai bossé, mais pareil, j'ai fait des sauvegardes de vidéos, des trucs comme ça. Ouais, il est dur mon boulot. Pendant que l'ordinateur mouline à faire des sauvegardes sur un disque externe, je suis en train de boire un truc et discuter avec le voisin. Il est dur mon métier, dis donc. Voilà. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, souvent je me suis fait cette réflexion. Je faisais des trucs sympas. Comme je l'ai vu passer tout à l'heure, là, aller sur le volcan, c'est physique quand même, oui. Quelques passages physiques, mais dont je pourrais me passer, je pense, dans 20 ou 30 ans. Et à plusieurs reprises, déjà, je me suis dit, ah là là, qu'est-ce que je déteste mon métier? Hashtag sarcasme.
Mais ouais, je sais que j'ai de la chance de ce côté-là, mais je dois aussi vous dire un truc. De ce côté-là, la chance se provoque aussi un peu. C'est pas dit qu'on y arrive, mais si on n'y essaye pas, c'est sûr qu'on... Si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Alors, avant d'aller sur la Lune, je vais quand même vérifier ce qui se passe là-bas. Ils sont où ? Oups. Ah ouais, c'est bien le soir, là. Bon, bah, on va déjà... On va déjà faire tout ce qu'on peut à la surface et on enverra Gmedia par la suite. C'est... oui, c'est... C'est aussi avoir de la chance de pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie. Mais... Aujourd'hui, je serais pas youtubeur si je m'étais pas un jour dit... Et si j'essayais d'être youtubeur. Parce que... Il y en a peut-être qui s'en rappellent. Mais... La... Quand j'ai annoncé la chaîne AstronoGeek sur le studio de poche, j'avais dit un truc dans la vidéo, faudrait remettre la main dessus. J'avais dit, je l'avais dit clairement, j'avais dit je crée cette nouvelle chaîne pour essayer de gagner plus de fric sur YouTube parce que je gagnais rien qui me permettait de vivre. Et j'ai dit si cette chaîne fait à peu près autant de vues que le studio de poche, je peux espérer peut-être doubler mes gains. Donc clairement j'avais tout de suite dit je le fais pour le pognon. AstronoGeek ça a toujours été pour le pognon, dans le sens où... Ça devait être mon métier, quoi. Et pour autant, c'est un métier que j'aime. Et si demain, imaginons, demain, je gagne, je sais pas moi, Euro Million ou un truc comme ça, hors de question d'arrêter AstronoGeek, hein. J'enlève les pubs, j'enlève les sponsors, je laisse les t-shirts, mais je les mets à prix coûtant. J'injecte encore plus de fric dans la chaîne. Ça, c'est sûr. Je fais clairement ce boulot par passion, mais ça n'en reste pas moins un boulot. Alors... Voilà, donc là, comme vous voyez, il n'y a pas de... Ouais, alors, comme vous ne le voyez pas, il n'y a pas de dock là-dessous, d'accord ? Donc, une fois qu'il est détaché, je peux plus... Il n'est pas en train de se barrer, putain. Donc, on va se dépêcher de sortir quelqu'un. Alors, dans ce rover, on va emmener le scientifique et l'ingénieur, parce que c'est les deux dont on va avoir besoin. Non, je peux pas. Il y a le rover en dessous. Merde, j'ai la version du rover sans les... Ah. Tu peux monter à bord, là, ou qu'est-ce que tu fais? Zut. Pourquoi j'ai la version sans les... Mais... Ah. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. J'ai la version du rover sans les papates pour le stabiliser. Et c'est chiant parce que s'il drift légèrement comme il l'a fait là... Ah oui, c'est vrai, il faut que je désactive le gyro. Sinon ça fait ça, c'est chiant. Il y a un gyro dans ce module. Et si je l'active, c'est le module tout entier qui pivote. Donc ça peut des fois être bien pour rattraper une manœuvre malheureuse... Avec le rover qui se met à pivoter sur lui-même. Par contre, si vous le désactivez pas, vous n'arriverez pas à conduire votre rover. Aussi pour un truc tout con, c'est que si je veux tourner à droite, à gauche là, plutôt, mon module, lui, il tourne dans l'autre sens. Voilà. Là, je vais pas vers l'avant ou l'arrière. Oups, bah voilà, qu'est-ce que je disais. Je vais pas vers l'avant ou l'arrière en faisant ça. J'appuie juste sur les touches directionnelles et le rover tout entier tourne, mais dans le mauvais sens. Et donc, quand le gyroscope est activé, un rover est absolument impossible à piloter à la surface de la Lune, à moins d'éventuellement configurer je crois que c'est faisable, configurer vraiment les touches, tout ça, pour dans la machine. Genre, il doit y avoir un truc comme ça quelque part. Ah oui, non, c'est dans les... Faut que j'active les fonctions avancées, je sais plus comment on fait. Je crois qu'on peut le faire, mais c'est juste chiant. Je désactive le truc et ça marche aussi, quoi. Alors, du coup, maintenant, je peux déployer l'échelle. Est-ce que j'ai autre chose à déployer là? Je ne crois pas. Si on peut faire l'analyse là. Et le reste de la science, ça se passe... Je me souviens plus. Est-ce qu'on peut faire une analyse avec le radiomètre qui est où? Là. Non, je peux juste le faire en orbite, d'accord. Donc, ah oui, crew report. Je peux l'envoyer.
On voit Kerbin d'ici? Ah oui. Bon bah si on voit Kerbin, ça veut dire que j'aurais peut-être quand même pu poser le vaisseau de récupération sans avoir quelqu'un à bord. Bon, tant pis, c'est fait. C'est pas Gébédia qui va s'en plaindre, je pense, donc on veut encore une ingénieure. Et pendant ce temps, c'est qui? C'est Hans, je crois. Il va rester à bord. Il garde le vaisseau. Une fois que quelqu'un veuille partir avec. Un peu comme dans Apollo 11 VR qu'on a vu l'autre jour. T'es à la surface, tu vois le vaisseau qui se barre. Je suis sûr qu'il y a des sadiques parmi vous dans Kerbal. Ils ont déjà fait ça, ils ont abandonné les gens à la surface de la Lune. Alors, ah ouais. Le soleil est déjà bas, ça va être chiant. Bon. Alors on va commencer par faire un peu de science sur place. Parce qu'on est quand même dans un biome là déjà. On est dans Midland Craters. Ok. Voilà, ce que je veux dire, c'est le soleil est bas. Je vois pas la moitié du vaisseau. Bon, on va déjà sortir Scientist. Allez. Donc c'est Phil. Et Phil, tu vas nous faire un peu de science in the field, Phil. Alors, conduite, matériel, machin. Collect data, restore. Et on garde. Ensuite, Mystery Goo. Bien entendu, j'ai emmené tous les modules scientifiques sur le rover, ce qui veut bien entendu dire que, en changeant de biome, je dispose de toutes les de tous les trucs scientifiques comme je veux, quoi. Oui. Je suis quand même... oui, non, c'est ça que je voulais faire. Je suis quand même vachement plus sympa que la NASA, hein, parce que si la NASA avait fait un posé comme ça sur la Lune, la vraie, et que le moteur avait été bousillé à l'arrivée, ils auraient pas dit « Oh, attends, on a encore une Saturn 5 qui traîne, on va te l'enlever. » Vous voyez, là, le rover drift tout seul. Et ça, c'est un vieux bug de KSP qui est vieux comme KSP, en fait. Voilà. Et ça, c'est super casse-couille parce que il se déplace très peu, mais il se déplace suffisamment pour que le bras qui est au-dessus refuse de fonctionner. Et donc, dans une autre version du rover, mais pas celle-là, du coup, con, j'ai rajouté deux papates à l'arrière parce que ce bug a été corrigé très récemment. Les vrais pieds, les vrais supports de vaisseau, là, maintenant, l'ancre au sol. Donc, il ne peut pas drifter comme ça. Et simplement, en mettant sur le rover, ça fait un espèce de, je sais pas, frein à main, le truc bouge plus, quoi. Est-ce que je pose une série d'expériences ici tout de suite? D'ailleurs, je sais plus, est-ce que j'en ai embarqué encore sur la carlingue du vaisseau, peut-être? Non, pas sur celui-là. Donc, je peux éventuellement en poser dans ce biome tout de suite, ce qui est fait n'est plus à faire. Sinon, qu'est-ce que ça raconte de votre côté? Raoult se fait défoncer par ses collègues. Alors, oui, il se fait défoncer par ses collègues, mais l'opinion publique est encore derrière lui. Et c'est con ce que je vais dire, mais en science, c'est pas ce qui compte. Mais comme les gens ne savent pas comment fonctionne la science, pour beaucoup, hein, on va dire, eh ben c'est ce qui compte. Merci Lin Trang pour le sub. Ce qui compte, c'est les... Non, je vais le mettre là-bas plutôt, comme ça je vois ce que je fais. Ce qui compte, c'est l'opinion publique, parce que c'est eux qui décident. Finalement, l'opinion publique, c'est... Enfin, le public, la foule, c'est la foule qui est capable d'influencer les médias, les politiques, etc. Et donc, même si la foule se trompe, bah, c'est elle qu'on écoute. Et c'est parce que je dis ça, c'est parce que je dis que... Alors, il y a un truc que je dis toujours, c'est... La démocratie... c'est le moins pire des systèmes dont on dispose, le moins pire, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon pour autant. Mais la démocratie pour ça est hautement critiquable parce que les gens votent pas intelligemment. Il y en a, hein, mais pas tous. Beaucoup votent parce qu'un tel passe bien à la télé ou parce qu'un tel leur dit quelque chose qui leur plaît. C'est le cas par exemple là avec Raoult. Il dit des choses rassurantes, donc les gens qui ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'écoutent.
Mais ça veut pas dire qu'il a raison, seulement il est très suivi, il est très suivi dans l'opinion publique. Je sais plus si j'en ai parlé là récemment, mais il y avait un sondage qui annonçait que 55% des gens lui étaient favorables, contre 35% défavorables et le reste qui se prononce pas. Donc, c'est, je crois que je l'avais dit aussi, Sarkozy, je pense qu'il a été élu parce qu'à l'époque, il passait bien à la télé. Et ça, c'est... Pour moi, c'est l'échec de la démocratie. C'est qu'on fait décider des gens qui n'ont pas la capacité de le faire, quelque part. Et alors, me fait, et justement, ce que des gens essayent de faire, c'est de me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire que je suis pour la dictature ou ce genre de choses, parce que je ne suis pas super favorable à la démocratie. Mais si, je suis favorable à la démocratie, parce que c'est ce que je dis, c'est ce qu'on a de moins pire. Mais... C'est pas pour autant que j'en suis satisfait, quoi. Allez, encore l'ionographe. Voilà. C'est un peu chiant, les menus qui se superposent, là. Faut le faire manuellement. Il faudrait qu'ils se foutent les uns à côté des autres automatiquement. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que les cocos qui, eux-mêmes... enfin, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que... communisme n'a jamais apporté la démocratie nulle part. Ni même un système politique qui fonctionne. Hein. Ils viennent râler en disant « Ah, regarde !» en sortant des trucs de leur contexte. « Ah, regarde, Astronogeek, c'est un facho. Voilà, » c'est pour ça que vous entendez souvent parler de... Je sais que j'en parle régulièrement, mais bon, ça me saoule un peu quand même, quoi, que... On me traite systématiquement de facho, comme ça, parce que je dis un truc qui leur plaît pas, en fait. Les cocos et tout cela sont pour la liberté d'expression, mais pas celle de ceux qu'ils aiment pas. Ils sont pour la liberté d'expression, sauf celle des gens qu'ils aiment pas. Et moi, ça me rappelle un autre type de régime politique. Mais bon, on va parler d'autre chose, hein, parce que sinon, je sens que ça va de nouveau... Et puis, on va pas trop parler de Raoult non plus, parce que tous les collègues qui ont parlé de Raoult se sont chopés des montagnes de haters. Il s'est même passé un truc, il y en a plusieurs qui ont mis en lumière le fait qu'il y a des bots qui sont venus les harceler, et il y a eu quelques tentatives qu'on pourrait appeler du cancelling, hein. Des gens qui ont appelé, il y a des tas de gens qui ont pris parti contre Raoult, hein. Il y a des gens qui ont appelé leur patron pour leur dire qu'il fallait les virer, enfin des trucs. C'est pas très Charlie, quoi, comme manière de débattre, on va dire. Et ça me laisse assez perplexe parce que on a vraiment l'impression... Il y avait un truc qui était sorti, mais je sais plus à quel point c'était fiable ou quoi, donc prenez ce que je vais dire avec des pincettes. Mais à un moment, il y avait un truc qui était sorti expliquant qu'il y a quelqu'un qui a payé une boîte de com' pour embaucher des trolls dont le but était de commenter tous les trucs qui parlaient de Raoult en bien sur Raoult et de faire chier les autres, quoi. On en est là. C'est... Enfin, on en est peut-être là, du coup, hein. Ça me laisse perplexe sur l'état de la science actuelle. Enfin, la science va bien, mais sur ceux qui prétendent faire de la science et ceux qui interprètent ce qu'est la science, quoi. Et je l'avais dit, je crois, précédemment, l'année 2020 est catastrophique pour moi, pour la science, la méthode scientifique et l'esprit critique. C'est-à-dire que le grand public qui n'y connaissait déjà rien, maintenant, on l'a abreuvé avec plein de conneries, et il croit mieux savoir ce qu'est la méthode scientifique, alors qu'en fait, on lui a plus rentré des conneries dans la tronche. Et ça me désole, en fait. Bon, bah, je crois que tout est bon, là. On va quand même vérifier que tout est alimenté correctement. Oui, on a plus que nécessaire. Par contre, lui, il est trop près, là. C'est moche. On va l'enlever, on va le remettre. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme les bars PMU. Ouais, sauf que c'est ce que je disais la dernière fois avec les anti-masques. Avant, s'il n'y avait pas eu Internet et s'il y avait eu cette pandémie et si on nous disait à la télé porter des masques... merde, je l'ai nouveau mis trop près. Bon, on va voir. Dans les PMU, il y aurait eu de temps en temps des anti-masques qui auraient dit « ça provoque de l'hypoxie et machin ».
Et t'aurais eu les autres qui disaient, mais tu racontes des conneries, les chirurgiens les portent et ils vont très bien. Et le mec, devant tous les gens qui lui auraient montré de l'opposition, il aurait fini par fermer sa gueule. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est pire que le PMU. Parce que dans le PMU, en général, t'en as un qui raconte des conneries, les autres qui se foutent de sa gueule, hein, un complotiste, on va dire. Là, c'est pas le cas. Là, les complotistes peuvent se retrouver sur des forums, sur des groupes Facebook, machin, et partager des visuels aussi, des visuels frappants. Parce que c'est ça aussi, à l'époque du PMU, t'as pas le mec qui te sort un visuel... je l'ai encore vu hier soir, l'image avec la nana qui met un masque, et la légende, porter un masque provoque de l'hypoxie. Non, créer de l'hypoxie, on ne crée pas de l'hypoxie, mais bon, bref, ça, il n'y avait pas au PMU. Là, il y a. Et d'un point de vue rhétorique, ce sont des armes puissantes pour toucher les gens qui ne savent juste pas. Et ça, pour moi, c'est un beaucoup plus gros problème, et c'est le plus gros problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont à la fois très bien et terribles pour l'esprit critique, parce qu'il faut déjà être capable de... Alors, on est où, nous? On est là. Ah, et j'ai oublié de faire un truc aussi. J'ai pas planté de drapeau. Et j'ai pas fait de... scientifique. J'ai pas planté de drapeau, j'ai pas fait de... EVA report. Take surface sample. Ok, rien de spécial. Et on va planter un drapeau dans ce biome. On l'a pas encore fait. Alors là, on est où? Midland Craters. Alors, on va mettre ça. Voilà. Midland Craters. Et voilà. Donc oui, c'est pire que le PMU de mon point de vue. Voilà, voilà. Ce coup-ci, on a tout ce qu'il faut. On va essayer de trouver un caillou encore. J'aime beaucoup le design de ton rover. Je le trouve marrant. Il est... j'ai fait ce que je pouvais pour y mettre ce qu'il faut. Aller à l'essentiel, etc. Mais le design de mon rover, c'est juste le module Lander Mark II sans les trucs sur les côtés, avec 4 roues, quoi. Et après, dessus, j'ai placé tout ce que je pouvais. Alors, nous sommes là, et nous voulons aller plutôt dans cette direction. Hein. Ah la vache. Faut grimper ça. Bon, bah ok. Alors... où est l'autre biome? Il faut qu'on passe là, je dirais là, on descend là et on continue dans cette espèce, enfin ouais, dans cette direction là jusqu'ici. Je sens que ça va être un peu chaud là. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, on va les laisser passer la nuit là. Ça va être un peu long, mais tant pis, hein. Ils ont signé pour être astronautes, hein. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Ils ont signé pour être astronautes, donc ils vont en chier pendant toute la nuit lunaire. Et on va reprendre l'exploration quand le soleil va monter plutôt que descendre. Parce que sinon là, je vais me retrouver dans des endroits un peu escarpés et je vais être comme un con. Donc ce qu'on va faire du coup... Ah ben non, j'aurais pas eu besoin de faire ça. Je vais reprendre la mission, le vol de Gebedia. Je vais... Ah, attendez voir, pendant qu'on y est, vu que j'ai rempli pas mal de contrats, est-ce qu'il y en a des nouveaux qui ont été générés et qui pourraient me faire de l'argent facile? Science data from space around the moon, ça c'est facile. Une antenne, un docking, un generator power, supporting only 12 kerbal. Ah ouais, non, ça est trop gros, ça, j'ai pas... Ok. J'ai vu passer un message sur Flight Simulator. Ils ont des WC dans le rover. Ils feront 100. Ils sortent... ils
sortent faire dehors. Flight Simulator, je vais peut-être attendre un petit peu avant de streamer dessus. Parce que bon, j'ai pas eu le temps de me remettre dessus depuis la dernière fois, toujours pas. Et il semblerait que la dernière mise à jour, qui bien entendu est obligatoire, hein, le jeu démarre pas sans faire la mise à jour, ça serait trop. Voilà. La dernière mise à jour est assez catastrophique en termes de stabilité, paraît-il. Alors, les développeurs sont au courant, il semblerait. Hein. Il y a un mec qui a envoyé, sur un groupe Facebook, il y a un mec qui a expliqué qu'il leur a envoyé un message, il a eu une réponse, ils ont dit qu'ils bossaient sur le coup, etc. Je pense qu'ils vont mettre un correctif en place assez rapidement. Néanmoins, on notera que le jeu maintenant est particulièrement instable et crash, avec retour au bureau assez régulièrement. Donc pendant un stream, je vous raconte pas le bordel, parce que vu le temps de chargement du simulateur, parce qu'il prend son temps quand même, ça risque d'être un stream particulièrement chiant. Déjà que Flight Simulator, c'est pas forcément le truc le plus facile à streamer, il se passe à peu près rien dedans. Donc du coup, je vais attendre le correctif. Hein. Et en plus, ça fait 11 gigas. Bon, je vais faire le mec privilégié, mais je vais dire, je m'en fous, j'ai la fibre. Mais il paraît que même avec la fibre, il y en a, ils ont téléchargé 16 gigas, je crois. Et ça leur a pris une heure parce que le truc de téléchargement télécharge un document, l'extrait, en télécharge un autre, l'extrait, et des fois c'est l'extraction qui prend du temps. J'avais vu ça à l'installation, c'est-à-dire que le jeu rentrait vite, les serveurs étaient pas trop chargés, mais par contre l'extraction après prenait la race de temps. Donc les mods n'aident pas au lancement du jeu. Tu as une mise à jour de MechJeb à faire? Oui, je verrai. Cette version me convient là pour le moment. Donc, c'est ça le pire. Tu as le temps de chargement, tu prépares ton vol, tu fais toutes les checklists pour décoller une fois en vol, bim, retour Windows. Ouais, ça c'est. Je me souviens pas d'avoir eu cette frustration dans FSX. Et y a aussi un truc, c'est t'es sur le tarmac, tu veux changer d'avion. Dans FSX, t'avais le menu en haut. Choisir un avion et tu changeais d'avion et tu restais, t'avais tout qui restait pareil quoi, tu changeais juste d'avion sur le tarmac, tu pouvais même changer en vol dans mes souvenirs. Et de la part d'un simulateur, c'est que de la simulation, on s'en fout franchement. Et là dans cette version, dans Flight Simulator 2020, non, il faut quitter, revenir au menu, générer de nouveau un vol 2-0, etc. Et puis si tu t'es posé au milieu de la cambrousse et dire « Ah, j'aimerais bien voir si je peux décoller d'ici en 747 », tu peux pas. Parce que tu peux pas... Enfin, si, tu peux partir de n'importe où de la brousse, mais sur la carte, c'est pas précis. Tu peux pas dire « Je pars de là, enfin voilà, il va te foutre dans un arbre. » Ça, c'est un peu merdique, et j'espère que ça sera corrigé avec le temps, parce que c'est... Ça enlève du fun, en fait. Pour moi, c'est... il faut que je fasse de la science, mais en orbite lunaire, donc ça va. Ça, pour moi, ça m'enlève beaucoup de fun, parce que je peux me dire, bah, je fais un vol avec ça, et puis maintenant que je suis là, oh, j'ai envie de prendre un autre avion. Non, il faut tout repartir à zéro, ça, c'est chiant. On va trouver du travail. Merde, non, c'est pas ça. C'est chiant. Mais bon, on fait avec, hein. Même avec le mode développeur, non, avec le mode développeur ça marche, mais c'est con de devoir utiliser le mode développeur. Ça devrait être une fonction inclue dans le jeu. Parce que là, il faut activer le mode développeur. Et il faudrait pas. Pour moi, un jeu où systématiquement tu passes en mode développeur pour utiliser une fonction et revenir dans le jeu, c'est que cette fonction manque au jeu. Je sais pas, vous imaginez, c'est comme si dans votre voiture, pour mettre le contact... Fallait systématiquement ouvrir le capot, mettre le contact sous le capot, refermer et retourner dans l'habitacle. Vous imaginez, vous caler au feu rouge. Enfin voilà, c'est... Pour moi, c'est un peu con. C'est quelque chose qui devrait être d'office dans le jeu. Et j'espère soit que ce sera fait, soit que quelqu'un aura la bonne idée de faire un mode ou un truc qui inclura direct ces fonctions, le tout dans un système un peu stable si possible, parce que bon, quand tu utilises la console développeur, tu te dis oula, attends, ça freeze pas, voilà, c'est pas ouf quoi. Alors nous sommes
Alors on n'est pas en orbite, mais bon, qu'est-ce qui m'empêche de faire un peu de fiance? Crew report, voilà, ça c'est très bien. Et il l'a accepté. A priori. C'est ça. Ok, donc ce contrat est rempli, c'est du fric gratuit. Voilà, voilà. Et donc, on va se mettre en orbite basse. Et on va laisser tout ce petit monde... on va laisser passer la nuit pour tout ce petit monde. J'imagine le démarrage à la manivelle. Bah ouais, et pour avoir déjà ceux qui ont regardé le stream sur les photos de mariage, le vieux taco, il démarrait à la manivelle. Donc quand tu te promènes avec ton taco le dimanche, t'es tout fier, tu sais, tu exposes bien ta bagnole à tout le monde. Ah, regardez mon vieux taco, tu cales au feu rouge. Ah là, les gens, ils te maudissent hein, quand le truc, il veut pas repartir. Et en plus, ça compresse de ouf, hein, les trucs là. Tu peux te mettre debout sur la manivelle. C'est... Enfin bon, bref. L'algorithme de YouTube, c'est comme l'ego des complotistes, faut les flatter. oui, alors le son que vous entendez, c'est du SSTV, mais je sais pas qui a posé la question et quelle était la question. Ah, le bruitage modem 56K. On voit que tu n'as pas connu les modems 56K parce que c'est pas exactement ça le bruit. Hein. Ils servent à quoi les radiateurs dans KSP? J'ai jamais trouvé l'utilité de mettre ça. Les moteurs atomiques, par exemple, ont tendance à chauffer. Mais c'est pas les seules pièces, notamment si tu t'approches trop du soleil ou des trucs comme ça, ça chauffe. Et là, si tu regardes, bon, pour le moment, il refroidit à 9%, donc c'est pas ouf. Et là, les moteurs risquent de ne pas rester allumés assez longtemps pour qu'ils refroidissent. Mais des fois, tu le vois devenir rouge, ou tu vois les moteurs devenir rouges, ou certaines pièces, et ça sert à ça. Donc ça sert pas beaucoup. Il faut déjà avoir 12 millions de moteurs atomiques qui tournent pendant une demi-heure pour commencer à se sentir un peu l'échauffement. Et ça sert à ça. Après, c'est ce que je disais la dernière fois, hein, les antennes, pareil, il n'y en a pas besoin d'autant, mais moi j'aime bien foutre des trucs partout, je trouve mon vaisseau plus joli. Les panneaux solaires, c'est pareil, dans celui-là, j'ai mis en backup un petit RTG, donc j'en aurais pas besoin, mais comme ça, ça me fait des trucs à manipuler, parce que sinon le jeu est un peu triste quand même, quoi. Heureusement qu'ils ont rajouté tous les trucs de science et tout, parce que avant, tu te posais sur la mune, tu plantais ton drapeau et tu disais, bon... Bah on rentre, voilà, c'était chiant. Et l'intérêt d'aller dans l'espace, c'est de faire des trucs. Et ça, c'est ce que je reproche encore un petit peu aux stations spatiales. La station spatiale, t'y vas, et pour peu que t'aies déjà fait toute ta science en orbite, bah rentre chez toi, quoi. Et j'aimerais bien dans KSP2 ou dans une future version, là, qu'il y ait vraiment des choses à faire. Qu'il y ait des modules à entretenir, des trucs à faire, quoi. Bon, alors... chez eux il fait nuit là, ok, donc on va retourner chez eux déjà et on va comme les retours de kick sur les motos c'est la vie. Je mets souvent des moteurs atomiques mais max 2 ou 3 sur mon vaisseau interplanétaire, c'est pas le même délire, j'en ai je dois bien avoir une version avec une trentaine de moteurs et là c'est tout de suite un autre délire quoi. Est-ce qu'il fait assez jour ou est-ce que... Ouais là on va pouvoir y aller, c'est bon. Alors, c'est le rover. Très bien, alors on va juste revoir par où on part. Hein. Voilà. Et donc on va dans quelle direction? On est là et on va là. Ok, donc il faut que je passe cette espèce de col parce que c'est l'endroit qui me paraît le moins pentu et clairement mon rover au-delà d'une certaine pente il veut plus. C'est pour ça que j'en ai fait une autre version avec des roues plus grosses hein, parce que les roues là en fait à un moment elles l'entraînent plus. Donc ça et on va se foutre dans la plaine là-bas. Ensuite est-ce qu'on revient par là? Après il y a un autre biome là. Donc je pense que le mieux c'est de monter par là et puis peut-être revenir en faisant le tour ou un truc comme ça. Donc ça, accrochez-vous, ça va faire une petite trotte. Hein. Je pense que c'est la seule mission qu'on va faire aujourd'hui. Et on va par là. Ok, c'est parti. Alors, astuce sur la mune quand vous roulez avec un rover. Si vous roulez à vitesse normale comme ça, voilà, 3 mètres seconde, on se fait chier.
Vous êtes tenté de rouler plus vite, mais plus vous roulez vite, plus vous avez des chances de vous péter la gueule. Alors, il y a une astuce, c'est vous accélérez la simu. Alors, je sais pas ce que c'est les touches chez vous. Moi, les touches que j'ai configurées, c'est virgule et point. Et si vous appuyez, alors si vous appuyez sur virgule ou point, voilà, il veut pas. Cannot warp faster parce que je me déplace sur le terrain. Enfin bon, il y a des processus physiques, donc je ne peux pas warper. C'est comme quand vous avez les moteurs allumés, il veut pas. Mais il y a une astuce, vous appuyez sur alt et vous warpez. Et vous pouvez aller jusqu'à... Zut, ouais, ou alors il m'ouvre des trucs que je veux pas. Vous pouvez aller jusqu'à 4 fois en warp. Et si je me mets simplement en x2, eh ben déjà ça va plus vite et ça a une conséquence aussi parce que un argument des complotistes c'est de dire les trucs sur la lune, les vidéos sur la lune sont juste ralenties et du coup on a l'impression qu'ils flottent, etc. Mais du coup si on l'accélère, on a l'impression que les mecs... zut, pourquoi il est repassé en 1 si on accélère, on a l'impression que les mecs se déplacent à vitesse normale et finalement une accélération, ça n'est que ça, hein. Ils accélèrent moins vite à la surface de la lune qu'à la surface de la Terre. Eh ben sur la Lune, c'est pareil. Si j'accélère ma... Là, si je fais des manœuvres un peu brusques, le rover se soulève. Mais si j'accélère la simu... Pourquoi il veut pas ? Voilà. Si j'accélère la simu, en fait, je roule moins vite. J'ai l'impression de rouler à la même vitesse, mais là on a l'impression, en fait, que la gravité est plus forte. Juste parce que la simu est accélérée. Alors, je vais me garer là. Je vais espérer qu'il n'y ait pas de drift et on va scanner la roche pour ramasser encore un peu de science. Et en plus, après, on va aller la ramasser parce que un des contrats que j'ai, c'est de ramener une roche munaire. Donc, on va le laisser faire. C'est marrant de rouler vite. Oui, enfin, sauf si tu veux rentrer en une seule pièce. Bonjour, bienvenue chez moi, Astro Disco Moon. Relation vitesse-gravité, c'est une question ou... Et le jeu VR Apollo 11, tu le fais quand? Je l'ai déjà fait, par contre, alors je sais pas si je l'ai déjà mis sur la chaîne YouTube, mais la vidéo a été claim, parce qu'a priori la musique du jeu est protégée, et la vidéo n'est pas disponible partout dans le monde. Hashtag NordVPN, et évidemment je ne sais pas où elle n'est pas disponible. Mais elle n'est pas disponible partout. Et je peux trop rien y faire, parce que si je coupe le son, bah la vidéo n'a plus vraiment grand intérêt, quoi. Donc du coup, bah, je vais la laisser comme ça, et... Après, de toute façon, l'intérêt de Twitch, c'est quand même que ce soit en live, hein. Donc y a peut-être des trucs... Bon, faut que je grimpe dessus, on dirait. Oups, c'était pas la bonne touche. De toute façon, il y a des vidéos... C'est... Hop, grimpe. Allez, grimpe. Bon. Il la prend. Ouais. De toute façon, les vidéos en avant-première sur la chaîne, ou des fois juste discuter, machin, il y a des fois des vidéos que je rebalancerai pas, ou des streams qui se passent mal, comme la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé, je sais plus. Flight Simulator, pilote automatique qui marche pas. Enfin, je sais plus. Non, c'était un peu en mode diaporama. Voilà, des fois il y a des trucs, ça se passe pas comme je veux. Je dis, ça vaut pas vraiment le coup de rediffuser le stream. Donc de toute façon, si vous voulez être au courant de ce qui se passe vraiment, il vaut mieux regarder sur Twitch. Mais bon, je vous apprends rien vu que là vous êtes sur Twitch. Alors. On ose du x3. Ouais, x3. Mais pourquoi il ralentit là? Dès que j'appuie sur accélérer, il ralentit la simu. Il fait pas ça d'habitude. Ralentir, j'ai le droit, il dit rien. Accélérer, il ralentit la simu, c'est quoi ce bordel? Putain. Ah non, mais j'ai pas accès aux touches là. Oh là là. On va devoir tous taper en x1 là. Oh, c'est bon, j'accélère et ça passe. Voilà, 4 mètres secondes, et là, en vrai, on dirait que je roule à 12 mètres secondes, quoi. Donc ça aide à pas faire des promenades en rover trop longues, parce que bon, faut quand même dire que la surface de la Lune, même avec tout ce qu'ils ont rajouté et tout, elle reste assez morne et terne.
Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu ce que je reproche au jeu, c'est ok, on va dans l'espace, ouais, dès que je touche à la touche, il revient, hein, c'est chiant. Le problème, d'une certaine manière, de KSP, c'est que ok, tu vas dans l'espace, cool, et une fois dans l'espace, bah on se fait un peu chier quand même, quoi. Il y a beaucoup de choses qui seraient marrantes à faire et qu'on peut pas. Je pense notamment, bon, maintenant la science, ça va un peu mieux à la surface des astres. Un peu plus de trucs à faire, même si ça peut vite devenir répétitif. Il faudrait. Peut-être calibrer encore les expériences en fonction du biome où on est, ou ce genre de choses. Et puis, ça manque de science orbitale. Ça, une fois que t'as fait ta science orbitale, une fois. T'as ramassé ce qu'il fallait, c'est bon, rentre chez toi, quoi. Et donc, les stations spatiales n'ont pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas non plus... alors, il y a des modes, hein, bien sûr, il y a des modes, mais ça devrait être d'office dans le jeu, c'est ça que je veux dire. Il faudrait... putain, c'est chiant. Il faudrait, je sais pas, moi, plus de... des cultures en orbite, des trucs comme ça. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est de la science spécifique pour l'orbite, des trucs que tu emmènes du sol, donc t'es obligé d'emmener un cargo, quoi, t'emmènes des trucs, tu les gardes dans la station un moment, le temps de faire la science, des trucs comme ça, et tu la ramènes au sol. Et il y a que là que, ben, une fois que la science est faite, tu peux la transmettre, machin. Alors, il y a bien le labo qui a une utilité comme ça, mais là aussi, il faut que ce soit de la science qui ait été cherchée ailleurs. Tu la ramènes dans le labo, tu la processes, et une fois qu'elle a été ramenée, elle vaut plus rien après. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir ramener des trucs du sol et les garder à bord un certain temps, donc avec un cargo spécial. Il faut vraiment emmener de la charge utile, la garder sur place, l'étudier, la ramener au sol, ou bien faire des expériences sur les Kerbal. Genre, justement, t'as, par exemple, ta charge utile, c'est un Kerbal... dont tu dois étudier la santé, alors, mais du coup il faut lui emmener je sais pas moi un vélo d'appart en orbite enfin voilà, tout ça c'est le genre de choses que j'aimerais beaucoup voir dans KSP2. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire ah il y a tel mode, mais des technos débloquables que si une certaine expérience a été faite, ah c'est pas con ça aussi, ouais effectivement. Si tu aimes les jeux de gestion, je te conseille le jeu Planet Base. Faut que je jette un œil. Ouais. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas. Le truc, c'est que j'ai pas le temps de jouer à part quand je stream en ce moment. Par exemple, je vous avais dit, j'ai téléchargé comment il s'appelle Death Stranding. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire dessus. Tout le monde l'a encensé. C'est un bon jeu. Mais par contre, le gaillard, là, Hideo Kojima, en fait, il est nul pour la narration. Hein. Je veux dire, d'un point de vue narratif, ce jeu est une bouse, vraiment. Je veux dire, c'est des dialogues comme ça. T'es en première année d'école de Sinoche, tu ramènes des expositions comme ça. Le prof, il te jette ton truc à la gueule. Pourquoi il freine pas ? Freine. Putain, pourquoi il freine pas ? Je vais me retrouver dans la merde. J'accélère beaucoup trop. Freine, putain. Je suis debout sur les freins. Je vois que les freins sont activés. Je roule beaucoup trop vite. Allez, freine. Bon, bah je vais tout de suite activer ce truc-là parce que... Waouh. Putain de merde. Décidément. Allez. Oh, mais... Allez, arrête-toi. J'ai plus aucun contrôle dessus. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche plus, là. Arrête-toi, bordel. Il devrait arrêter de tourner, là. Il y a un truc qui est bloqué, là. Il y a quelque chose qui fait qu'il devrait pas faire. Je sais pas. Il y a quelque chose qui veut absolument le faire tourner. Et... Bon, heureusement, le module principal n'a pas explosé. Mais...
Voilà, les rovers sur la Lune, c'est toujours ça. C'est chiant, je veux dire, c'est un jeu d'exploration spatiale, et tu te retrouves avec des vieux bugs comme ça. C'est casse-couille. C'est vraiment casse-couille. Et je trouve que ben pour ce qui est quand même le cœur du jeu, c'est relou. Regardez, les roues tournent encore, là. Il veut aller quelque part, absolument, et je sais pas pourquoi, parce que là, y a rien d'activé, tout est coupé. Même avec les freins, les roues continuent à tourner. Voilà, c'est un bug. C'est pas moi, ça c'est sûr, c'est pas moi, c'est un bug, et ça me saoule. Ça me saoule parce que le jeu a décidé, là, maintenant, que il y a quelque chose qui devait déconner. Tout était en train de bien se passer, mais le jeu décide que non. Et ça, ça m'emmerde, putain. Autant avant, les moteurs qui ont pété à l'atterrissage, c'est pas un bug, c'est toujours en warp. Mais non, mais même en warp, j'ai le contrôle de mes freins. Y a pas de raison. Là, je suis plus en warp. Les freins sont activés. Les roues tournent. Non, c'est un putain de bug. Et ça me saoule. Parce que tout à l'heure, quand j'ai pété les moteurs, c'est moi. Les moteurs étaient coupés parce qu'ils n'avaient pas accès au carburant. Je suis tombé trop fort. J'ai pété les moteurs. C'est ma faute. C'est le jeu. Là, je veux bien. Ça, c'est un putain de bug. Et ça me saoule. Parce que c'est le jeu qui triche quelque part. C'est comme si tu joues à Trivial Pursuit et puis que t'as un mec qui lit la réponse à sa propre question. C'est... Oui, et puis là, c'est pas des freins qu'il faut, c'est une ancre à balancer, effectivement, parce que... Regarde la puissance des freins. Mais j'ai touché à rien, hein, au frein. Brakes, 100%. Et les moteurs tournent, là. Et je sais pas pourquoi. Y a aucune raison. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Bon, alors on est où, là? Parce que bon, on a fait une trotte en plus. Ah oui, on a dévalé tout ça. Puis j'ai plus de science, j'ai plus rien, évidemment. Hein. J'ai encore tout ce que j'ai ramassé dans le rover, mais sinon, je peux plus rien faire, ouais, c'est fini, quoi. J'ai au moins eu la décence d'atterrir dans un autre biome, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on rattrape ça, maintenant? Alors évidemment, on a Gebedia qui est en orbite, hein, donc on a encore un rover et tout. Bah oui, finalement, j'ai bien fait d'amener l'autre rover. Comment je fais? Est-ce que je le pose au même endroit? Est-ce que je le pose plus loin? Bon, on a la science dans ce biome-là. Donc dans l'absolu, on n'a pas besoin de retourner là. Les autres biomes qu'on veut, c'est ça, ça et ça. Donc si je me pose là... C'est relativement plat. Là, c'est pas trop raide non plus. Ok. On va se le faire au jetpack. Scientifique. EVA. Alors, c'est comment? C'est comme ça. Allez, c'est parti. Et c'est dans quelle direction qu'on a dit qu'on allait? Par là. Ouais, allez. Parti. Ça me saoule. Ça, c'est le truc qui me sort du jeu, quoi. C'est quand je fais une connerie, je me dis... Et en plus, ce qui est bien quand on fait une connerie, c'est qu'on comprend pourquoi. J'ai tout à fait compris pourquoi j'ai merdé. Et immédiatement, j'ai su ce qu'il fallait corriger ou j'ai réfléchi à une mission de secours, etc. Enfin, voilà. Là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est... Voilà. Le jeu a décidé que non, les freins ne marchaient pas. Et c'est pas, j'ai pas activé genre les défaillances du vaisseau quoi. Non, non. Le jeu a décidé que le vaisseau devait pivoter sur lui-même à une vitesse pas possible, en chiant totalement sur la physique même du jeu. Enfin, c'est, il suit pas les règles du jeu quoi. Les règles du jeu, c'est on a une physique réaliste, on a machin. Là, non. Space Kraken. Et ça me sort du jeu quoi. Moi, le Space Kraken, je l'ai jamais trouvé marrant. Il y a des gens qui disent ça fait partie du jeu, machin. Moi, je trouve pas ça drôle. Vraiment pas, quoi. Pour moi, ça fait pas partie du jeu, c'est juste un putain de bug. Et après, c'est sûr qu'un jeu aussi complexe, où il faut gérer les interactions avec autant de pièces et tout, je jette pas la pierre, c'est pas dit que je serais capable de faire mieux.
Mais moi, ça me sort du jeu, ça. J'adore ce jeu, hein. Mais vous voyez, par exemple, la surface de la Lune, elle a été refaite récemment, tout, c'est très bien, c'est relativement optimisé si on oublie le fait que c'est une putain de patinoire, alors qu'il est censé y avoir de la poussière dessus. Mais par contre, vous allez sur Ilou, j'y suis allé il y a de ça quelques mois, j'ai dit, ah, hop, je vais quand même taper l'extrémité du système kerbien, j'y vais. Je pouvais pas évoluer à la surface. La surface arrivait là au Kerbal, il s'enfonçait dedans, il glissait comme des grosses merdes, etc. J'ai rien pu faire. Je me suis posé à la surface, le vaisseau était en train de se casser la gueule alors que j'étais sur du plat. J'ai dû redécoller, je dis bah tant pis, pas de science, parce que sinon on va exploser dans 2 secondes, quoi. Dis-toi que c'est les ingénieurs Kerbal qui ont foiré comme ça, CRP. Non, j'arrive pas. Ça me sort du jeu. Bon alors, on est où là? Biome, je peux pas le savoir. Comment il s'appelle ce biome? Ça doit être les Midlands. Ça c'est les Lowlands peut-être? Non, ah oui, non, ça c'est les cratères machin. Lowlands, Midlands, Highlands probablement. Donc ça doit être les Lowlands. Tout le monde ici au jetpack. Donc, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Les roues tournent toujours. Allez. Tu ramasses tout ce qu'il y a là-dedans. Tu rejoins ton pote. Qui est, du coup, là-bas. Heureusement que le jetpack marche encore bien sur la Lune et sur Minmus. Parce que putain, s'il fallait se taper ça à pince, waouh, je les laisse crever sur place. Hein. Déjà en rover, c'est chiant, c'est long. Mais alors, à pince, waouh. Là, il y a quoi? Il y a 1,5 km. Vous imaginez le temps qu'il faudrait? Et là, ils sont vraiment à poil, quoi. Pas de vaisseau, rien. C'est la merde. Et ça, c'est le truc qui m'a toujours emmerdé avec les rovers. Dès qu'il y a une légère pente, mais vraiment pas grand-chose, quoi. 30 degrés ou un truc comme ça, n'importe quel rover dans la vraie vie. Même une bagnole, ça passe. Là, non. Là, tu peux être sûr que ça va mal finir, quoi. C'est assez saoulant. Est-ce que je... Ah oui, non, il faut que je sois en map. Voilà. Et c'est là. Switch to. Tu fais de l'autopilote lent et tu pratiques la lecture comme dans DAOC quand on craftait du matos. Pourquoi ne pas faire un jetpack à Xenon? Ça ira toujours plus vite qu'un rover. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Le vaisseau était debout. Putain. C'est incroyable. Ah, ça aussi, ça me dérange. Il y avait aucune raison que le vaisseau tombe. Hein. D'ailleurs, je suis sûr que la sortie est bloquée maintenant pour ce cher Jeb. Bon, bah alors, on va faire ça. Allez, on s'en fout, on peut baiser tout ce qu'il y a dessus, les panneaux solaires, machin, c'est plus très important. Est-ce que ça marche mieux si je rentre les trains? Bon, c'est pas ouf. Bon, déjà on va essayer de sortir avant de dire qu'il est coincé. Non, on peut pas. Sérieux, quoi. Il n'y avait aucune raison que ce vaisseau tombe. Aucune. Est-ce que je peux le faire basculer à force? Ou alors, voilà. Casse-toi.
contrôle qui là? Je contrôle les médias, hein. Oui. Alors déjà, ramasse tout ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien. Sûr qu'il n'y a rien? Même pas un petit crew report? Ah bah non, c'est vrai. Ah bah non. Non, c'est pas GBD, c'est Hans. Ouais, bon, bah voilà. C'est pitoyable. Alors, ils sont là-bas. Je sais pas si... 5 km. Ah si. En un saut de jetpack, il y a moyen. Si je pouvais leur faire porter un peu plus de science, je dirais on s'en fout du rover, on y va comme ça. Mais là, c'est... Et puis, ce genre de bug, il faut que ça arrive quand je stream. Bah, quand je le fais moi, ça marche très bien, quoi. Mais non, c'est... voilà. Sans mètres secondes, c'est pas en rover que tu ferais des pointes de vitesse comme ça, hein. Il y avait un beau cratère à analyser en plus. Bon ben, tant pis. Avec le rover, tu étais à 9 mètres secondes, c'est beaucoup, 32 km/h sur la Lune. Oui, mais j'étais à 9 mètres secondes parce que j'arrivais pas à freiner. À ce moment-là, j'étais déjà en train de dire eh oh, pourquoi il freine pas? Parce que je dépasse rarement les 4-5 mètres secondes. Pourquoi tu descends aussi vite, toi aussi? Oh, ça va de nouveau finir en drift sur des kilomètres. Faut pas qu'il touche la surface, parce que sinon je vais en perdre le contrôle. Le problème, c'était pas ma vitesse horizontale, c'était ma vitesse verticale. Mais ça va. J'ai rattrapé le coup. T'imagines, tu viens de poser avec le vaisseau et t'as trois mecs qui t'attendent comme des connards. Ah, viens nous chercher! Voilà, bon. Gbedia, où es-tu? Là. Manquerait plus maintenant qu'on se tape un bug pourri... Atterrissage comme tout à l'heure. Bah d'ailleurs on en a eu un aussi tout à l'heure, hein, putain de bug. Alors, ils sont où? Ils sont là. Faut pas que je me gourre. Ils sont là. C'est à Stargate, voilà. On veut se taper une orbite d'abord. Ok, soit. On aurait pu s'en passer si je l'avais fait manuellement, mais... Soit. La mission sauvetage. Qui a la science du coup? Je crois que c'est l'ingénieur. C'est qui? C'est Aubry, non? C'est pas ça l'ingénieur? Il y a peut-être un mini trou noir près de la Lune qui n'a pas été découvert et qui rapporte 100 millions de science à sa découverte. Ouais. Ça pourrait peut-être expliquer ce genre de comportement étrange. Sur KSP, c'est quoi le mode pour avoir les modules scientifiques à poser? C'est pas un mode, c'est... C'est un DLC. Et comment il s'appelle d'ailleurs? Petite quick save. Putain, mais oui, tellement. Là, ça... Mais il est... Non, pas en train de faire... Si, regardez ce qui se passe là. Pourquoi il drift comme ça? Il n'y a aucune raison. J'étais en warp. Il n'y avait aucune raison qu'il drift comme ça, putain. Ça me saoule, hein, vraiment. Exactement la même chose que tout à l'heure. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Putain, faut que je fasse gaffe à un truc en me posant. Je largue le réservoir au dernier moment, mais faut pas que je leur envoie sur la gueule, parce qu'ils vont pas apprécier, quoi. Ça va leur faire tout bizarre. Touche de clavier bloquée.
Mais non, non, c'était pas une touche de clavier bloquée. Elle répondait très bien, mais les freins étaient absolument inopérants. Qu'est-ce que tu veux faire si à un moment le jeu te dit non, finalement non, non, va te faire foutre. Et ça, je l'ai souvent eu quand même déjà avec des roues. Juste les roues qui répondent plus, ou il y en a une sur deux qui répond. Ça me l'a déjà fait aussi. T'as les roues qui répondent que d'un côté du rover d'un coup. Mais je veux dire, l'instant d'avant il marchait et non, il veut plus. C'est saoulant aussi, quoi. Et puis, encore une fois, hein, c'est pas défaillance, machin, qui... Non. Y a rien que tu puisses faire. Tu peux même pas dire, je sors l'ingénieur, je vais réparer la roue. Parce que bon, ça m'était déjà arrivé dans certaines vieilles versions où les roues étaient plus fragiles, de péter une roue. Tu sors l'ingénieur, il répare la roue, ok, ça fait partie du jeu, ça me va. Non. Là, c'est vraiment, tu quittes KSP, tu le relances et tu espères que le bug est parti. Mais non, non, ça devrait pas faire ça. Un jeu en alpha, oui, mais un jeu qui en est à sa version 1.9. Machin, ça fait chier. Encore une fois, je jette pas la pierre au développeur, ça se trouve je ferais pas mieux, mais juste fait chier, quoi. Des fois j'ai envie de dire, c'est bon, rajoutez pas des pièces, rajoutez pas des trucs, faites une fois une grosse mise à jour avec la liste des bugs qu'on vous a report, quoi. Non. C'est comme Adobe Premiere. Adobe Premiere, à chaque version, c'est hey, « Eh, regardez, on vous a rajouté telle nouvelle fonction !» Et dans les commentaires, t'as toujours les gens qui disent « Ouais, rajoutez pas de fonction, stabilisez une fois le logiciel, on en a marre qu'il plante pour un oui ou pour un merde. » J'ai désactivé l'auto-warp, hein, parce que sinon, bonjour. Et pourquoi j'ai ce décalage, là, soudainement? J'étais dessus avant, j'avais 500 mètres de décalage, là, maintenant, j'ai 7,5 km. Bon, heureusement, le pilote automatique fait quand même son taf. J'avais plus l'impression que c'était les roues qui accéléraient en continu. La touche n'est pas bloquée, la preuve. Tout va bien. Merci Vololoxide pour le sub. J'ai eu un bug sympa, j'ai perdu mes parties. Ouais, ça fait toujours plaisir, ça. Bon bah, on va se retaper la descente. Je vais essayer de... Alors ce que je vais faire tout de suite... Tac, pour pas oublier de l'ouvrir ce coup-ci. Parce que si j'ai de nouveau... la merde que tout à l'heure, on n'est pas sorti. Mais ça, quand je suis... Si, quand je suis tout seul et que je suis concentré sur le jeu, c'est le genre de choses que j'oublie pas. C'est vrai qu'en stream, on est en train de discuter. Même de choses qui n'ont rien à voir avec le jeu. Et... Ou de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe directement dans le jeu, donc on oublie des trucs. C'est pour ça que les checklists en avion sont importantes, c'est pour ça que les mecs... enfin voilà, faut pas déconner quand on fait ça dans la vraie vie, sinon il arrive les mêmes choses, et là c'est plus fâcheux quoi. Faut que je prenne l'habitude de sauvegarder avant toute action, mais tu as tellement raison Gaël, mais... Ah non, c'est pas Gaël qui a dit ça, c'est Rem51. Du coup, salut Gaël, je sais pas si je t'ai vu tout à l'heure, non, a priori tu viens d'arriver. Je devrais faire des quick save depuis le temps que je joue à ce jeu, depuis le temps que je me fous dans la merde. Je devrais faire des quick save et je les fais jamais. J'oublie toujours. Donc maintenant on attend. Hein. Hors de question que je mette le warp si le truc est buggé. Pour pas vider ton fuel, clique sur le découpleur en dessous et disable crossfeed. Est-ce que ce truc serait activé par défaut? Non, sur les découpleurs, c'est pas activé par défaut. Il le fait quand même. Mais dans les vieilles versions de KSP, j'arrivais à transférer le fuel de là à là. Et du coup, avec le transfert, le réservoir transféré se vide et pas les autres. Et là, comme j'ai encore un autre transfert en plus de là à là, et puis de l'autre côté aussi... Il me vide les deux réservoirs là en même temps. Mais après je me retrouve comme un con parce que tu te retrouves à la surface de la mune, il te reste trois fois rien dans ce réservoir et du coup trois fois rien dans celui-là aussi et tu te retrouves baisé pour repartir. Alors que normalement non, il devrait juste pas s'en servir.
Par exemple, ceux-là. Il est censé... Donc là, j'ai le tuyau qui ramène le fuel de là à là, puis de ce réservoir à ceux-là. Pourquoi ces réservoirs se vident? Là, ils sont vides. Pourquoi? Ils ne devraient pas l'être. Et c'est ça mon problème. Et puis j'ai tout fait comme il faut. Hein. Ça devrait pas. J'ai toujours fait comme ça dans les autres versions du jeu, et là, non. Là, faut qu'il fasse chier. Et ce sera toujours ça de prix. Ou baisse le flow priority. Je suis pas sûr de savoir comment ça marche ce truc là. Si je fais ça, il cherche moins dans les réservoirs là, c'est ça? Pareil, pourquoi il est entamé lui? Pourquoi je peux pas en mettre dedans du coup? Pourquoi il fait rien? Voilà, est-ce que c'est normal ça aussi? Là, je devrais pouvoir transférer du carburant. Pourquoi il le fait pas? Et ça change rien. Ton flow priority est à 30 sur les deux, faut changer. Ouais, mais je sais pas comment ça marche, ça. Je vous avouerai, ça, je maîtrise pas, là, pour la peine. Les bugs font partie de la vraie vie aussi? Non, justement, c'est pour ça que... Depuis que flow priority est disponible, les tuyaux ne sont plus utiles. D'accord. Ah, et donc j'imagine que si je lui dis plus 1, moins 1... il va d'abord chercher en priorité. D'accord, bon, alors on va faire ça. Si je mets plus 1 là, et là je laisse à 30. Ouais, mais du coup ceux-là, je saurais pas trop quoi leur mettre. Faut que j'utilise ça à tête reposée. Là c'est trop C'est pas le bon moment, je crois. Mais surtout, ce qui m'emmerde là maintenant, c'est pourquoi lui il est pas plein. On est d'accord que Fuel Priority, si je mets plus 1, il donne la priorité à celui-là pour le vider. Hein, Je sais pas pourquoi ce message aussi de Vololoxide a été bloqué. Il faut que je modifie les paramètres de ce mode, de ce bot, parce qu'il est, un peu sévère. En plus, des fois, il y a des gens qui utilisent des mots vachement crus dans le chat. Le mode dit rien, et là, il y a Vololoxide qui dit « Bon, bah je retourne dans le passé, je vais sur l'Airdiv, j'espère rattraper assez de retard pour venir suivre le live un de ces jours. » Bloqué. Ah, parce qu'il a trouvé retard et ass en anglais. Bon, bah c'est peut-être parce qu'il est configuré en anglais alors qu'il comprend rien. Bah voilà, il y a... Ah merde, c'est passé trop vite. Mais il y a quelqu'un qui a dit c'est parce qu'il a écrit tard et en anglais, bah oui, retard, ça veut dire attardé, quoi. Faut que je regarde la configuration du bot. Je l'ai activé par défaut. J'avais déjà activé d'autres bots par défaut et ça marchait très bien. Donc je sais pas, je vais voir. Ah oui, j'en avais un très bien sur YouTube. Comment il s'appelle? Bodyguard, je crois. Faut que je regarde si je peux l'activer pour Twitch. Il paraît plus efficace. Ah bon, bref, faut que je regarde, quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais lui demander de se décaler de voilà, 30 mètres, 50 mètres, 70 mètres, ouais, allez. Parce que
On va éviter de leur mettre le réservoir sur la gueule en arrivant. Je reste un peu concentré sur ce que je fais pour l'appel, hein, parce que si je le plante encore lui, ça va me faire chier. Hein, je vais rage quit, je crois. D'ailleurs, il est quelle heure en parlant de rage quit? Ouais, dans une heure ou deux, je vais arrêter le stream. Ça va faire court, pour une fois, et encore. Parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire avant ce soir, donc... Jusqu'ici, tout va bien. Zut, c'est pas ça que je veux faire, mais quand je scrolle sur une fenêtre, ça scrolle sur eux. Une fois qu'Arnaud autorise le mot, une fois, ça le débloque. Ok. Donc c'est peut-être avec le temps, du coup, le bot va apprendre... Bon. Essayons de pas faire de conneries, maintenant. J'espère juste que je suis pas du mauvais côté de la pente et que le réservoir, au lieu d'exploser, ne va pas décider de rouler pile vers les kerbals qui sont sur... Non, ça a l'air d'aller. C'est pas passé loin. Par contre, ça a activé les séismomètres. Sismomètre. Bon, comme quoi, il vaut mieux prendre un pilote expérimenté, hein. On voit que GBGA, il connaît mieux le taf, hein. Eh bah oui. J'ai bien un truc, là. Non. Il connaît mieux le taf, hein. Fallait pas commencer tes conneries. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. T'imagines, dans la lune, t'as le mec qui vient de sauver, qui débarque et qui dit des trucs comme ça. Alors, me revoilà assez vite. On va trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. ok. Bon, bah vu qu'on a un rover tout neuf, on va s'en servir, hein. Voilà. L'échelle est inclinée, oui, donc je peux la déployer, je pense. Ça va aller. Et cette version du rover n'est pas automatisée, hein, non. Là, maintenant, ça tourne plus. Voilà, je pense que je suis revenu suffisamment loin. Le truc a été déchargé de la mémoire, machin. Maintenant, c'est bon. Alors, toi, t'es quoi? Toi, t'es scientifique, donc hop, à bord du rover. Ça passe, oui. Pareil, j'avais pas dû le corriger sur cette version-là du rover, mais il est un peu dur à attraper. Vous avez remarqué, il faut que je saute pour attraper la porte. Et donc dans la version suivante, j'ai juste rajouté une petite échelle en bas, histoire que dès qu'on s'approche du rover, on ait tout de suite le menu contextuel grab. Comme ça, il n'y a pas besoin de sauter, de se rater une fois sur deux, etc. Enfin, voilà. Bon, vu qu'on est dans un autre biome, on était bien dans les Lowlands, je ne m'étais pas trompé. Et là, les freins fonctionnent, quel bonheur. Je disais donc, nous sommes dans les Lowlands. J'ai pas le bon truc. T'es qui, toi? Toi, t'es ingénieur, tu montes à bord aussi. On va pouvoir refaire de la science tout de suite. Là, ça passe. Ok. Et d'abord, on va envoyer
notre cher Hans, nous allons envoyer le pilote à bord du vaisseau. Je pense que peut-être Hans a été récupéré lors de l'opération... Comment s'appelle-t-elle ? Paperclip ? Dont le but était de récupérer les ingénieurs allemands en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Allez, tu viens là et tu te tiens tranquille, Hans. Et nous, on va déjà faire de la science ici, je crois. Hein. C'est bien ici, oui. Allez. On va poser un petit peu tous les trucs. Alors, déjà, crew report, voilà, et scientifique. Allez, c'est le travail de fil. Alors, on commence par take surface sample. EVA report, tac, voilà. Ensuite, serve mystery goo, tac, collect data, restore. Run analysis, log température. Take data, log seismic data, take data, log gravity data, take, log pressure, et take. Voilà. C'est l'usine, hein. C'est les uns derrière les autres. Parfois, quand mes missions se passent un peu mieux que là, je pense notamment à mes missions sur Minmus où je me fais tous les biomes d'un coup. C'est un peu l'usine. C'est voilà, tu ramasses, tu fais des trucs et on y va. Hein. Allez. Bon, la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai un rover en plus, j'ai éventuellement la possibilité de poser des trucs comme ça dans un biome de plus. Un mal pour un bien. Les complotistes ont saboté les freins du rover, ouais, ça doit être ça. On va dire que c'est ça. Mais même si on va dire très fort que c'est ça, je... Ça me fait chier. Là, je vais vous dire franchement, je suis en stream, donc bon, il faut que je... D'une certaine manière, il faut que je joue le jeu, hein. Autant refaire une mission de secours et tout, parce qu'au moins il se passe quelque chose. Mais moi tout seul dans mon coin, je dis bon bah ça suffit pour aujourd'hui, je fais Revert Fly et je recommence le lendemain quand j'ai nouveau envie de me retaper exactement la même mission quoi. Mais justement si j'avais fait ça, c'était chiant, on aurait fait deux fois exactement la même chose, c'était juste pas marrant quoi. Donc je préfère je préfère jouer le jeu. Dire allez, je suis beau joueur, tant pis, voilà, mais sinon, moi tout seul dans mon coin, c'est River Flight et va te faire foutre. Tu devrais faire des vidéos astro sur les projets spatiaux des Allemands en 40, enfin s'ils en avaient, ou futurs projets. Ouais, alors il y a beaucoup de légendes urbaines, hein. Putain, je vais y arriver. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur le sujet, mais pas grand-chose de vraiment concret. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour beaucoup de leurs projets d'avion, tout ça. Et beaucoup de trucs qui n'ont jamais dépassé le stade de la planche à dessin, juste parce que ça pouvait pas marcher. Et justement, il y a aussi beaucoup de complots dessus, des histoires de soucoupes volantes nazies, tout ça, qui sont complètement pétées, hein, c'est pas vrai. Mais du coup, je sais pas, ça me paraît justement trop pété pour en parler. Par contre, je crois que je l'ai dit dans un stream précédent, il y a une histoire que je connaissais pas du tout. Du cosmonaute qui était à bord de Mir quand l'URSS s'est effondrée. Et il y avait plus d'argent et plus de pays pour soutenir le programme spatial et il est resté coincé là-haut. Et on lui a dit, écoute, tu restes et tu entretiens la station, faut qu'elle reste à flot. Tu la maintiens le temps qu'on trouve une solution. Et il est resté deux fois plus longtemps que prévu. Et il est finalement rentré parce que l'Allemagne a dit, bon, allez, ok, on envoie quelqu'un.
et comme ça il peut rentrer quoi. Mais sinon il restait sur place. C'est l'histoire est complètement folle. Et il veut pas. Pourquoi il veut pas en poser là? Je suis trop près du rover. Escape to cancel. Eh bébé, repousse la camionnette. Ouais, donc c'est une histoire, c'est un truc de fou. C'est, écoute, on n'a plus d'argent pour te faire rentrer. Mais c'est ça, quoi. C'est, on n'a plus d'argent pour te faire rentrer. Il devait y avoir 4 missions de ravitaillement ou un truc comme ça. Il n'en a eu que 2. C'est une histoire de fou. Là, tout de suite, moi, son nom me revient pas. Ça commence par un K et ça finit par un off, hein, comme souvent. Je sais plus, je vais éviter de dire... Ah ouais, non, c'est pas lui qui doit l'activer, c'est l'ingénieur, du coup. Bon, pour celui qui est posé, c'est pas grave, ça fera le boulot. C'est une histoire complètement folle, et je... quand je me remets à la production de vidéos... alors, non, la semaine prochaine, j'ai un contrat pour un copain pour une vidéo, pour faire une vidéo promotionnelle. Ça pourrait éventuellement, je pourrais vous foutre ça en stream aussi. C'est mon fameux copain qui a une écurie. Et il va participer à un salon du cheval. Et je lui ai dit, écoute, t'as qu'à foutre un écran. Parce qu'il voulait parler de plein de trucs, évidemment, aux gens qui voient son stand. J'ai dit, t'as qu'à foutre un écran. Et on fait une petite vidéo promo. Donc la semaine prochaine, je vais faire un peu ça. Ce qui fait que je ne vais pas faire de vidéo pour la chaîne. Mais très rapidement, je vais en refaire. Donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après ou plus tard, quoi. Et je vais me pencher très sérieusement sur des recherches sur ce gars-là. Gouv HD en a beaucoup parlé dans sa vidéo, mais je suis sûr que je peux largement approfondir le sujet et en profiter pour faire un peu de pub à Gouv HD. S'il y en a parmi vous qui connaissent sa chaîne, alors ne le spammez pas non plus. Et si vous pouvez lui lâcher un ou deux messages, « Hey, il y a AstronoGeek qui cherche à te joindre !» Parce que je sais pas où le joindre, je vais laisser quelques messages sous ces vidéos, mais hein, c'est comme moi, hein, vous me laissez des commentaires sous les vidéos, je les vois pas tous. Enfin bon, voilà, je cherche à le joindre parce que, vu que j'ai découvert ça dans sa vidéo, faut rendre à César, ou plutôt au Tsar, parce que Tsar ça veut dire César, rendre au Tsar ce qui est au Tsar, et au minimum, de toute façon, je cite sa chaîne et sa vidéo. Et en fait, à Maxima, je préférerais carrément l'avoir dans la vidéo, quoi. Une petite collab, un petit truc, si ça peut lui ramener encore un peu de monde. Il manque pas de monde, hein, il a pas loin de 200 000 abonnés, je crois. Mais des abonnés, on en a jamais trop et on a jamais trop de vues. Donc, alors, c'est quoi le plus simple? J'ai envie de dire que le biome qui se trouve là, il faut que je réactive les biomes. Biome visible. C'est par là. C'est pas loin. Donc je crois que je vais commencer par là parce que c'est plat. Et on verra ensuite pour le truc sur la porte là-bas. Alors, les freins, on est parti. Et entre-temps, ça serait peut-être bien de trouver encore un cratère, éventuellement. Alors, est-ce qu'il me fait la même chose que tout à l'heure? Si j'accélère... Eh ben voilà. C'était un putain de bug à la con. Parce que maintenant, je peux continuer à accélérer. Et il repasse pas en fois, hein. C'était un vieux bug à la con. Là, ça fonctionne très bien. Et c'est chiant, quoi, de dire, ah, il faut que je quitte le jeu, il faut que je le relance, et c'est bon. Alors, autant dans moi tout seul, ça m'arrive, autant en stream, c'est casse-couille, quoi, de dire, faut que je coupe le jeu, faut que je le relance. Ah bah si, ça y est, il a recommencé. Ah, il m'a remis en fois 1. Et si maintenant je fais ça, ah, fois 1. Ça marchait bien, voilà. Il a décidé qu'il allait nous faire chier. Putain. J'espère au moins qu'il va pas me faire chier sur les roues, comme tout à l'heure. Si je dois péter un deuxième rover, je vais être un peu vénère, quand même. Ça ressemble quand même vachement à de vraies expériences, quoi. Là, il va prendre un petit bout. Juste avant, le laser, ça devait être un peu pour un truc du style... comment ça s'appelle? Bon, ça, c'était juste une caméra.
Le laser, c'est le... Ah, merde. Ça sert à vaporiser une petite partie de la surface. Et ensuite, on fait passer ça dans un... Oh, merde. Un truc pour en déterminer la composition. Le nom ne revient pas. Il n'est pas là, Rémi, il saurait me le dire. 1, 1, 1... Chromato ou un spectro de masse, oui voilà c'est ça, merci. Alors du coup je suis pas sûr que ce soit un chromato mais plutôt un spectromètre. Encore que, non je dis une que... Je... Ouais, enfin un des deux quoi. Voilà. Ouais spectromètre probablement, ouais. Spectro ou chromato, l'un des deux de toute façon. Voilà. C'est pas en médecine la chromato? Non, je crois que ça existe aussi pour les analyseurs. Enfin, je dis peut-être une connerie, hein. Pour la peine, je suis pas sûr de mon coup, donc c'est l'un des deux. Voilà. Ouais, on avait déjà la roche lunaire, d'accord. Bon. Soit. Alors, on est toujours dans les Lowlands et on est. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Non, j'ai pas l'impression. Plutôt par là. On est reparti. Un peu de route, hein. Et j'aimerais bien croiser un cratère à analyser parce que je suis pas sûr d'en avoir déjà. Bah non, c'est sûr que j'en ai pas vu que c'est le premier rover que j'envoie sur la Lune. Comme... Oh putain, c'est chaud. Allez. C'est le premier rover que j'envoie sur la Lune. Donc c'est le premier bras articulé que j'envoie sur la Lune. Et le seul moyen d'analyser un cratère, c'est avec le bras articulé. Donc non, je n'ai pas encore d'analyse de cratère. Il y en avait un beau avant que j'ai vu passer pendant qu'on faisait la toupie dans l'autre rover. Donc... Mais j'ai pas trop envie de retourner dans le cratère là, parce que si c'est de nouveau pour ne pas avoir de frein... Ah, bah tiens. Hop, hop, hop. Et c'est là que tu... Merde, que tu actives le gyro. Voilà. J'allais dire, speaking of the devil. C'est par là. Speaking of the devil, c'est l'équivalent anglais de quand on parle du loup. Ce qui est marrant avec les expressions anglaises, c'est qu'elles sont parfois très proches des expressions françaises. Mais t'as un truc qui change comme ça. L'un il parle du loup, l'autre il parle du diable. Y en a une que j'aime bien, c'est chez nous on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et. Putain. Et en anglais on dit the early bird catches the worm. Donc l'oiseau le plus matinal attrape le ver. Et ce qui est marrant, c'est que cette expression ne vient pas toute seule. C'est the early bird catches the worm, but the second mouse gets the cheese. Donc en gros, c'est le premier oiseau a le ver, mais la deuxième souris a le fromage. Ce qui rend le truc assez intéressant. Ce qui n'enlève rien à la première partie du truc. Des fois, il faut savoir être le premier, mais des fois, il faut savoir être le deuxième. Allez, on se gare, on ne drifte pas, sinon ça marche pas, et on y va. Ah merde! Il veut pas garder les deux. Donc c'est soit la pierre, soit... Oh, mais c'est quoi cette arnaque? Bon, alors on va faire un truc, parce que non, il est hors de question que je largue maintenant. Ok, toi tu viens là. Non, comment on fait? Comme ça. Voilà, take that out. Et tu vas déjà... c'est loin, là. Non, c'est pas loin. Bon, bah alors tu vas nous faire un petit voyage au jetpack et tu vas déposer tout ça dans le vaisseau. Parce que je suis censé ramener une pierre lunaire pour valider le contrat. Il est hors de question que je ramasse la science du truc et que je ramasse pas la pierre lunaire et que du coup j'ai pas mon contrat. Alors comme dans mon vaisseau, là j'ai deux modules en fait. Je peux me permettre d'avoir de la science en doublon. Parce qu'il suffit d'en mettre un peu dans un module et un peu dans l'autre. Et comme les deux modules rentrent, ben, pas de problème. S'il y a de la science en double, il fera pas chier. Il se démerdera après une fois au sol. Mais comme ça, au moins, je rentre avec ma pierre lunaire.
Voilà. Tu te rends compte, t'as fait des kilomètres en rover, le mec il est revenu comme ça. Salut, je ramène juste des cailloux. Store experiment. Voilà les mecs, c'est tout pour moi, au revoir. Bon, j'y retourne, hein. Non, c'est pas là, c'est là-bas, hein, c'est ce truc-là. Oui, c'est ça, mon rover. Alors, allons-y. Franchement, s'ils pouvaient embarquer toute la science dans leur sac à dos, ça serait plus simple, hein. Mais ça serait moins drôle aussi, je pense. Ça va toujours de l'autre côté? T'as pas mis de module de stockage de science sur ton vaisseau? Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre ça sur le rover. Encore que, ben, ça a un intérêt assez limité. Parce que le stockage de science, c'est surtout utile pour les vaisseaux... par exemple, les vaisseaux inhabités. T'as un rover, tu le poses à la surface d'un astre. Et pour repartir, il faut que tu charges toute la science dans un truc comme ça. Ou alors, tu envoies un truc au début du jeu, tu envoies un truc dans la stratosphère. Tu fais pas revenir toute ta fusée. Donc ton module de science, il absorbe toute la science des modules qui se trouvent autour. Et tu fais juste rentrer ça sous un parachute. Mais comme je peux stocker la science exactement de la même manière dans un module comme ça, et que mon vol n'a aucun intérêt quand c'est un vol habité, que le module ne rentre pas avec les Kerbal à bord. Parce que si le module explose genre avant le retour, je considère que ma mission est foirée et qu'il me reste de la science ou pas. Donc là, rajouter un module de science sur le rover, ça... pas trop d'intérêt en théorie, à part pour la science qui fait doublon, mais j'étais loin d'imaginer qu'analyser un cratère soit considéré de la même manière qu'analyser une roche pour le jeu, quoi. Parce que sinon, de toute façon, si t'as de la science en double, tu t'en bats les couilles. Ça sert à rien d'avoir le module en plus, vu que je peux stocker la science là-dedans, et si j'ai de la science en double, normalement, je m'en bats les couilles. Mais là, je veux ramener... Je veux ramener... Je vais quand même vérifier par acquis de conscience, mais je ne crois pas... Ah non, ça c'est l'ingénieur, c'est pas ça. Je ne crois pas que les scientifiques peuvent ramasser des trucs sur les cratères. Il semble que c'est justement parce que c'est pour ça que la dernière fois je l'ai pas fait. Ce qui est un peu con aussi, mais bon, après, hein, c'est la mécanique du jeu, on va l'accepter, mais... Non. Si je fais take surface sample, il ramasse pas ça. Par contre, on a changé de biome là. On a changé de biome. Donc c'est bon, on a fait la route qu'il fallait, pas la peine d'aller plus loin. Juste vérifier. Je monte à bord. Là, il me dit Moon Twin Crater. Ok. Eh ben c'est parfait. À ce moment-là, bah, tu peux ressortir, Phil. Et tu vas nous faire tous les trucs d'usage. J'ai le petit drapeau pour la forme. Voilà. Donc on est dans les Twin Craters, avec un S je suppose. Voilà. T'imagines, tu trouves ça sur une plaque quelque part. Je veux rentrer à la maison. Voilà. Collect data. J'ai plus envie de lire les trucs là. J'ai juste envie de les ramasser et de me barrer. Franchement, là, je... Passe toujours bien chez vous là? Kerbal, téléphone maison, ouais, c'est un peu ça. Voilà, log, take. Log, take. Log, take. Analyse la surface.
En plus, ce truc, j'ai jamais compris. Ok, il fait l'analyse de la surface. Tout au plus, il nous dit combien il y a de minerais à la surface. Et après, voilà, nique-toi, ça ramène pas de science, rien. Enfin, j'ai jamais trop compris l'intérêt de ce truc. Ah oui, là, il n'y a plus rien, c'est là. Pareil, ces trucs-là qui spamment complètement de messages dès que tu rentres après. Non, c'est en bas, encore une fois. Ouais, là, pareil, ça devient vite répétitif. J'aurais aimé qu'il y ait un menu contextuel et, par exemple, qu'il faille configurer les pièces en fonction de là où elles sont ou, je sais pas, faire des trucs, quoi. Faire des trucs. Parce que là, en gros, je les pose et voilà. Parce que bon, on est d'accord que de toute façon, c'est du matos qui est fait pour rester sur place, donc voilà. Mais j'aurais aimé faire un peu plus, quoi. Pareil, éventuellement, pouvoir ramener différents échantillons de sol. Ça doit pas être le truc super casse-couille à coder de dire tu peux ramener des cailloux, de la poussière, tu leur files, je sais pas moi, un petit... avec toutes les animations de personnages qu'ils ont codées, tu leur files un petit piolet et tu leur dis, voilà, tu ramasses un petit peu plus de ça, un peu moins de ça, enfin j'en sais rien. Les missions Apollo sur une seule zone, ils ont ramené 13 millions d'échantillons. J'aimerais pouvoir en faire de même ou éventuellement aussi avoir une... Chaque échantillon a un poids, par exemple. Voilà, t'as ramené un caillou d'un kilo, un caillou de 2 kilos, un caillou de 3 kilos, et t'as, je sais pas moi, t'as 10 kilos à disposition dans ton sac, 100 kilos sur le module, ou moins, j'en sais rien, enfin, équilibrer un peu le truc, quoi. Et t'as des trucs à faire, quoi. Ça vaille le coup d'aller sur la Lune, et pas juste tu descends, tu poses 3 sciences, tu plantes un drapeau et cassos, quoi. Pour moi, ça rajouterait de l'intérêt à se promener pendant une heure à la surface. Parce que finalement, c'est pour ça qu'on vient, quoi. Pour rester un peu, pour avoir des trucs à faire. Donc là, déjà, bon, j'ai des trucs à faire. Mais je fais des actions assez répétitives. Je change juste de biome. Je pense que ça... Bon, les différents biomes, ça a de l'intérêt. Mais les missions peuvent vite devenir répétitives. Une fois qu'on a débloqué toute la science, on va dans un biome, on fait sa science, on va dans un autre biome, on fait sa science. J'aurais préféré peut-être des expériences spécifiques à certains biomes qui donnent un intérêt à y aller autre que juste on va faire pareil qu'ailleurs. Ou bien certaines expériences, c'est un peu le cas des cratères et des roches parce qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire, mais je veux dire surtout, c'est pas biome dépendant, on va dire. Pourquoi il me fait de nouveau jeter des trucs là? Bon, ça doit être bon. Donc je veux mon ingénieur. Enfin, il y aurait eu moyen de diversifier tout ça sans trop se faire chier, quoi. Je pense. Donc on est d'accord, c'est déjà pas mal et c'est déjà beaucoup mieux que les premières versions du jeu où il y avait littéralement rien, quoi. Mais dans un jeu qui a cet âge, c'est bien, ils ont rajouté des pièces, c'est drôle, mais je me serais attendu à un peu plus. Et j'espère que dans KSP2, ils vont... avec... Quand je vois la gueule des bases extraterrestres que tu peux installer partout, je dis extraterrestre, je sais pas trop quel mot utiliser à la place, là, pour la peine, mais quand je vois toutes les bases que tu peux installer partout, j'espère qu'il y a des tas de choses à faire là-bas, quoi. Parce que sinon, putain, tu te fais chier, tu vas installer ta base sur un monde extraterrestre et après, bon voilà, bah, c'est fait, il n'y a rien à faire, on passe à la mission suivante, non. Si déjà, il y a un jeu de colonisation, j'ai presque envie d'y voir de la gestion, quoi. Tu vois, dire, est-ce que j'ai assez d'oxygène? Est-ce qu'il faut que je mette un module supplémentaire? Est-ce que j'ai assez de bouffe pour tout le monde? Limite, j'aimerais voir ça dans ce jeu, quoi, pour ajouter vraiment de la grosse profondeur au gameplay et éventuellement pas dire c'est bon, je suis allé là-bas, je peux rentrer, quoi.
qui a une vraie dimension d'exploration spatiale d'une certaine manière. Arnaud sauvegarde. Oui, merci. Cannot quick save while moving. Bon, alors, arrête-toi déjà. Merci. J'aurais oublié. Regarde le chat, espèce de grimaud. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que tes viewers réclament un petit F5. Ouais, donc c'était ça. Ok. Extra kerbien. Oui, c'est extra kerbalien. Ouais. Extra kerbesque. Base interplanétaire. Qu'est-ce qui est méchant? Regarde le chat, espèce de grimaud. Ouais. Au bout d'une demi-heure. Ok. Un mode survie avec la gestion eau, bouffe et oxygène. Ouais, bah oui. Le bras robotique, non, c'est pas un mode. Ça vient aussi du fameux DLC, là. J'ai pas de mode de pièce. Ça vient du fameux DLC. Comment il s'appelle? C'est Surface quelque chose, non? Ou c'est expérience machin? Pense à sauvegarder avant chaque action? Non, j'y pense pas. Je devrais, mais je n'y pense pas. Donc ouais, gueuler à la limite s'il faut, mais moi je n'y pense pas. Et après des années à jouer à ce jeu, après des années à m'être fait baiser sur des conneries, non, je n'arrive pas à penser à appuyer sur F5. Breaking Ground. Non, c'est pas Breaking Ground. Encore que si, peut-être. Breaking Ground, c'est pas juste une mise à jour normale? Lol, on gueule, mais ça marche pas. Bah oui, parce que bah j'entends rien. Quand on gueule, tu nous lis pas. Bah ouais, mais des fois je vois pas le chat, je suis désolé. C'est vrai que par rapport à du just chatting ou bien le fait d'avoir le chat en VR, là je suis sur deux écrans, le chat est relativement loin. Et donc je ne le vois pas. Faudrait que je trouve un moyen de, je sais pas, de m'organiser là pour avoir le chat vraiment juste à côté de l'écran principal. Mais c'est logistiquement un peu compliqué là. Les équipements que tu as posés, t'as juste à attendre? Oui. Alors, une fois qu'ils sont posés... Alors, justement, c'est ça qui est bien. Il faut une antenne pour transmettre. Il faut de l'énergie. Il en faut assez pour chaque module, etc. C'est bien. Mais après, tu les poses et c'est exactement comme les trucs qu'ont posé les missions Apollo. C'est des trucs, j'allais dire passifs, mais je sais pas si c'est le mot. Ils transmettent de la science régulièrement. Par exemple, là, screen message. Surface deployed, seismic sensor from the moon surface, machin, a généré 0,004 science. Bah, putain, ça en valait la peine, dis donc. Voilà, il a été affecté par l'impact d'un truc à surface, machin, et ils envoient de la science. Alors, il y en a qui en envoient beaucoup plus. Hein. Ça, c'est de la merde. Par exemple, les trucs qui observent la Mystery Goo, leurs premiers envois, ça, je sais plus combien ça faisait la dernière fois, mais c'était pas mal. Enfin, de toute façon, ça dépend de comment tu configures ta science, mais et ça marche par biome, par contre. Pour chaque biome, il renvoie de la science. Ce que je trouve dommage, et ils auraient peut-être dû faire une mise à jour ou quoi, c'est que bah il faudrait pouvoir ramasser des cailloux dans chaque biome. En vrai, t'as ramassé une roche lunaire, tu les as toutes ramassées, ça te donne plus de science. C'est dommage. Alors après, on va me dire, oui, mais si tous les trucs que tu fais ramassent de la science, une science différente, il suffit de faire deux missions sur la Lune et t'as ramassé toute la science du jeu. Bah, faut peut-être alors équilibrer la science autrement dans le jeu, enfiler un peu moins, ou je sais pas. Mais... Parce que bon, mine de rien que la Lune, il y a tellement de choses à faire dessus. C'est... Explorer le reste du système kerbien, c'est bien, mais c'est quand même vachement dur, c'est... Par exemple, en général, je vais sur Duna, je vais rarement plus loin, quoi. Je me suis déjà amusé à faire des expéditions plus lointaines, mais à un moment, il y a aussi ce côté répétitif. Ok, t'es allé loin, mais tu refais toujours les mêmes expériences, machin. Ça manque de quelque chose. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le fait qu'il y ait beaucoup de science sur la Lune. Oh, pardon, je vais au moins en faire bailler 10. Le fait qu'il y ait beaucoup à faire là, pour moi, n'enlève rien au jeu. C'est juste que tu peux passer pour moi des jours et des jours à jouer à KSP juste en allant sur la Lune s'il y a des choses à faire. C'est déjà largement assez marrant. Pareil, j'espère aussi que dans KSP 2, le décor sera un peu plus varié. Des roches, alors je sais qu'on peut activer des trucs, mais des roches un peu plus variées. Éventuellement un terrain généré procéduralement qui soit un peu plus escarpé avec des endroits où il faut dire « Attends, je peux pas passer par là, il faut que je contourne. » Un peu à la Death Stranding, justement dire « Alors attends, ce chemin il passe pas, je vais crever les pneus du rover, faut que j'aille par là. » Ou ce genre de conneries, quoi.
Ben ouais, le bâillement, et puis... Oh, pas assez dormi ou quoi? Le bâillement, c'est... Ça se transmet facilement, et c'est pour ça qu'on pense que c'est... D'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est un phénomène qu'on trouve chez énormément d'animaux. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est quelque chose qui est apparu très tôt dans notre évolution. Et peut-être que c'est une forme de langage extrêmement primitif, vu que c'est communicatif. Et ça remonte à très loin. On peut largement se poser la question de savoir si les dinosaures bâillaient, par exemple. C'est pas une évidence. Et donc c'est un phénomène très intéressant, et on ignore encore énormément de choses dessus. On sait ce qu'il provoque, hein, la faim, le stress, la fatigue, mais son but au bâillement, ben, on a encore des tas de doutes dessus, ce qui rend la chose très intéressante pour moi. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on connaît, mais aussi ce qu'on ne connaît pas. Alors, on va s'arrêter là une seconde, et je vais vérifier le biome, voir si on est au bon endroit, tout ça. Pareil, les freins. Là, je suis debout sur les freins, donc marche arrière et debout sur les freins. La vitesse à laquelle freine le rover, c'est déprimant. T'as pas intérêt à arriver trop vite près d'une falaise, parce que... Alors... C'est ça, il faut qu'on monte la pente qui est là, et on se retrouve dans les Midlands, je suppose. Par contre, j'ai pas le courage de rouler jusqu'aux Highlands, hein. On fera ça sur une autre mission. De toute façon, là, avec déjà tout ce qu'on a ramassé pour les différents biomes, ça devrait le faire. Donc, il faut que je monte là. Soit. Et j'ai presque envie de dire, une fois qu'on est là-haut, franchement, on abandonne le rover, on rentre au jetpack. D'habitude, moi, tout seul, je me fais chier à rentrer au rover, mais là, est-ce que c'est pas un peu chiant? Je roule un peu vite, là. C'est en ligne droite, ça va, mais si jamais je tourne, je renverse le rover. Le manque d'oxygène dans le cerveau qui fait bâiller, c'est ça? Non. Non, le manque d'oxygène dans le cerveau, ça provoque la fameuse hypoxie dont parlent les complotistes des masques, là, les anti-masques. Et alors, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, mais il y a un truc qui est marrant, c'est que les anti-masques ont prétendu ne pas vouloir porter de masque parce que ça provoquerait de l'hypoxie. Mais est-ce que vous connaissez le symptôme principal de l'hypoxie? Le premier qui vient, je veux dire, avant que tu commences à mourir, quoi. Parce que l'hypoxie, c'est quelque chose qu'on t'apprend à reconnaître quand t'es pilote d'avion. C'est un truc qu'on voit lors de la formation de pilote. Apprendre à reconnaître l'hypoxie. Parce que l'hypoxie, c'est super grave, en fait, quand t'es pilote. Parce que le premier symptôme de l'hypoxie, c'est ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Je vous mens pas, ça s'appelle comme ça, la paresse intellectuelle. C'est-à-dire que quand vous êtes en hypoxie, bah, pareil, Smarter Everyday avait fait une excellente vidéo là-dessus. Il prend un jouet pour enfant. Vous savez, les trucs, on met le rond dans le rond, le carré dans le carré. Il arrive plus à le faire. Et en fait, l'hypoxie, ça provoque un truc... vous savez, comme quand vous êtes fatigué, on vous demande à faire un calcul, je sais pas moi... 45 plus 30, par exemple. Je vous demande de faire ça, il faut que vous vous concentriez un peu. Mais parfois, on est un peu en situation comme ça, où le cerveau devient fainéant et dit « Ah, c'est compliqué, j'ai pas envie de réfléchir. » Et ben, l'hypoxie, ça fait ça, mais pour 3 plus 2. Si vous êtes hypoxique, je vous dis 3 plus 2... alors attends, je sais plus, voilà, ça vous fait ça. Sauf que quand vous n'êtes pas capable de faire 3 plus 2 et que vous pilotez un avion en même temps, ça devient méchamment critique, quoi. Et donc il faut être capable de détecter les premiers signes de l'hypoxie. Pourquoi? Parce que l'hypoxie, elle arrive en haute altitude quand on manque d'oxygène. Et les petits avions n'étant pas pressurisés, ben, quand vous passez de quasiment le niveau de la mer à 3-4 km d'altitude d'un coup, ou un peu plus, vous pouvez vous retrouver en situation d'hypoxie. Parce qu'à 4 km, il y a moins d'oxygène, il y en a largement assez pour respirer. Mais quand vous vous tapez la montée d'une montagne, vous avez le temps de vous habituer. Vous le faites d'un coup, vous pouvez vous retrouver hypoxique. Et vous n'êtes plus en mesure de piloter l'avion. Enfin, si, vous le pilotez toujours, parce qu'il y a quelques fonctions simples que vous arrivez à faire, mais dès que vous devez vous concentrer sur quelque chose, vous n'y arrivez pas. Et ça devient de pire en pire jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de vous demander à quelqu'un « Vas-y, lève ton bras gauche. Voilà. » Et l'étape suivante, c'est le coma et la mort. Donc, vous êtes en train de piloter un avion et vous ne faites plus la différence entre votre droite et votre gauche et vous souriez béatement. C'est pas top.
Et donc, évidemment, les masques ne provoquent pas d'hypoxie, mais le principal symptôme de l'hypoxie, c'est la paresse intellectuelle. En gros, vous devenez littéralement con. Et je peux pas m'empêcher de me dire que les gens qui mettent un masque et qui se disent « Oh, je suis devenu hypoxique !» En fait, c'est pas le masque, t'es juste très con. En fait, je pense que c'est ça. Les astronautes s'entraînent au manque d'oxygène en faisant des maths tout en respirant de l'hélium. T'es sûr de ça? Parce que j'aurais tendance à dire qu'on les met dans des caissons hypobares. Moi, je les ai vus faire ça dans des caissons hypobares. On les met dans des caissons, on enlève l'oxygène et on lui dit « Vas-y, fais des maths ». Mais ils s'entraînent pas à bosser en conditions hypoxiques. Hein. Attention, ils apprennent à détecter l'hypoxie. C'est-à-dire, on les met dans le caisson et on les prévient pas. On les laisse plusieurs heures et on les prévient pas d'à quel moment on va leur baisser l'oxygène. Et leur boulot, c'est justement de faire des exercices intellectuels pour détecter à quel moment ils n'arrivent plus à les faire et mettre leur masque à oxygène. Les pilotes, c'est pareil. Mais du coup, le coût de l'hélium, vu le prix de l'hélium, je suis pas sûr, vraiment pas. Comme pour la plongée, il faudrait des paliers de vol. Oui, sauf que tu vas pas rester 3 heures à 2000 mètres d'altitude pour monter juste pour... Parce qu'en 3 heures, t'as cramé ton fuel. Donc, c'est simple. Si t'es trop haut, tu redescends. Et je suis déjà un comburant pour l'Hermès. Ouais, t'es trop haut, tu redescends. Si t'as un masque à oxygène à bord, tu le mets, comme dans certains avions. Hein. Et alors, pour ce qui est de la dépressurisation en avion de ligne... Là, c'est pas compliqué. Vous savez, quand vous voyagez en avion, on vous dit toujours, en cas de dépressurisation, un masque tombera à votre portée, machin, etc. Un truc très important, on vous dit qu'il faut d'abord mettre votre masque avant d'aider vos proches. Parce que, par exemple, les mamans ont un réflexe, c'est vite, il faut que je mette le masque à mon enfant avant de mettre le mien. Sauf que, si tu fais ça, si tu mets le masque à ton gosse, il faut bien se dire qu'à ce genre d'altitude, tu as 10 secondes. Avant d'être en hypoxie, même pas. Donc le temps que tu mettes ton masque à ton gosse, déjà t'as peut-être même pas le temps de lui mettre, que t'es déjà dans les vapes. Donc t'as peut-être pas eu le temps de lui mettre, et en plus toi t'es dans les vapes, tu mets pas le tien. Donc tu fais deux victimes au lieu d'une, alors que si tu mets ton masque tout de suite, toi tu respires de l'oxygène, ton gosse il tombe dans les vapes, mais c'est pas grave, tu vas lui filer de l'oxygène, il va se réveiller. Et de toute façon, s'il se réveille pas là, il se réveillera dans 10 minutes quand le pilote aura plongé. Parce que en cas de dépressurisation à une altitude où vous pouvez respirer, vous pouvez respirer et tout va bien. En cas de dépressurisation à une altitude où vous pouvez pas respirer, les masques tombent. Et le pilote, la procédure c'est « je pique ». Vous êtes dans un gros porteur, on s'en fout. La procédure c'est « je pique » avant de prévenir il fait tout en même temps, mais il prévient le contrôle de vol s'il est au-dessus d'un territoire, s'il est au milieu de nulle part, au milieu de l'Atlantique, il le fait pas et tout, mais il pique. Mais genre, il pique, d'accord? Donc ça peut être éventuellement impressionnant, mais pourquoi? C'est pour redescendre à une altitude où on peut respirer. Et justement, ceux qui n'ont pas mis leur masque, à ce moment-là, ils retrouvent conscience, donc c'est pas super grave, quoi. Mais il y a aussi un truc, c'est que, en vrai, les gens n'arrivent pas à mettre les masques dans l'avion. Pour plusieurs choses. Déjà, il y a ceux qui savent pas le mettre. Quand ils peuvent le mettre, ils savent pas le mettre. Ils le mettent comme les mecs qui ont le nez qui dépasse. Donc ça marche pas parce qu'ils respirent par le nez en le mettant sur la bouche. Enfin, il y a des. J'avais vu ça quand j'étais à la NASA. On avait fait une formation de sécurité assez balèze. Et le mec nous avait expliqué tout ça. Il nous avait montré des photos. T'as le mec qui respire par le nez en le portant là. Ça marche pas. Bon, comme quoi l'hypoxie des fois ça vient avant. Et bon, bref. Ce qui se passe en fait en cas de dépressurisation à une altitude comme ça, c'est que quand la pression baisse d'un coup, vous avez une condensation immédiate de l'eau. Donc vous vous retrouvez en une fraction de seconde dans un brouillard super épais, une purée de pois à couper au couteau. Essayez de chercher des vidéos de dépressurisation sur YouTube. En une fraction de seconde, vous virez la pressurisation d'un avion à haute altitude comme ça, genre une porte qui s'arrache, ça sort d'un coup. Alors c'est pas comme dans les films, tu sais, où t'as un espèce de vent continu qui aspire les gens dehors. Non, ça dure une fraction de seconde. Et il n'y a pas assez, éventuellement, s'il y a un mec qui se trouve juste debout à côté de la porte au moment où elle saute, lui, il va finir dehors. Mais les gens qui sont attachés ou qui sont relativement loin, eux, ils risquent trop rien de ce côté-là. C'est pas comme dans les films. Par contre, en une fraction de seconde, tu te retrouves dans le brouillard. Alors, ça se dissipe quasiment aussi vite quand la pression a diminué. Mais déjà, c'est un phénomène auquel t'es pas habitué, donc les gens sont complètement perturbés par ce qui se passe. D'un coup, d'un seul, ça fait du boucan, et ensuite t'entends plus rien, t'entends que des bruits sourds parce que y a plus d'air, etc. Et,
Et d'un coup, t'as plus d'air. Donc, déjà, t'as l'air qui sort des poumons tout seul. Tu retiens ta respiration. Alors, si sur le moment, t'as eu la bonne idée de retenir ta respiration, mais il faut vraiment être timing, quoi. Sinon, bah, t'as l'air qui sort des poumons d'un coup. Et tu te retrouves... Est-ce que vous avez déjà essayé ? Essayez là tout de suite. Vous expirez à fond et vous retenez votre respiration en ayant expiré à fond. Vous allez avoir la tête qui tourne en quelques secondes. Vous tenez pas 20 secondes. Sans entraînement, comme ça, vous tenez pas 20 secondes. Et bon, de toute façon, vous pouvez essayer parce que vous allez avoir le réflexe d'inspirer. Hein, mais quand on est dans un avion et que c'est pas une question d'inspirer, d'expirer, bah, qu'est-ce qui se passe ? Vous tombez dans les vapes. C'est pour ça que vous devez mettre votre masque à vous d'abord. Parce que vous n'aurez pas le temps de mettre celui de Kevin, celui de Jennifer, celui de Mamie, celui de machin. Non, non, c'est le vote d'abord pour que vous, vous gardiez conscience et que vous puissiez ensuite aider les autres. C'est pour ça aussi que quand il y a un accident, on dit on signale d'abord l'accident et on aide les accidentés ensuite. Parce que si tu signales pas l'accident, il y en a un qui va venir se planter avec sa bagnole dans la bagnole de devant et tu as des blessés en plus, etc. Donc d'abord signaler, alerter et ensuite secourir. Perso, je le fais souvent quand je plonge pour couler plus facilement au fond. Bah ouais, c'est comme un ballast. Hein. Si tu vides le ballast du sous-marin, il tombe plus vite. Hein. Tout expiré, je tiens 10-20 secondes sans problème. Oui, oui, bah vas-y, tiens-en 30, alors on verra. Parce que si vous inspirez complètement, vous tenez un certain temps. Si vous expirez complètement... En fait, parce que bon, forcément, l'un à l'autre, il y en a qui sont plus entraînés, il y en a qui arrivent mieux, machin. Protéger, alerter, secourir. Oui, protéger dans le sens... tu poses le... Le... Merde, comment ça s'appelle le triangle rouge, quoi, tu vois. Tu mets d'abord ça, ensuite tu téléphones au SAMU et seulement après, tu essayes de sortir le mec de la bagnole. Ouais, donc bon, là, il y en a qui disent « Ah, je tiens 20 secondes, je tiens machin, c'est bien. » Maintenant, comparer à la même chose, mais en apnée, avec les poumons pleins. Et vous verrez la différence. Parce que là, maintenant, vous respirez un bon coup. Vous vous retenez et vous verrez que là, ça sera pas 20 secondes, du coup. Vous allez tenir beaucoup plus longtemps. Oui, oui, tu sors du Boeing pour mettre le triangle en premier, oui. Non, dans le Boeing, tu mets d'abord ton masque et tu mets celui du voisin. Parce que pareil, hein, si t'as un accident de voiture et tu dis « J'attends parce que le masque, il est pas tombé du plafond », là aussi, tu es un peu... Tu dois être un anti-masque, en fait, dans la vie. Parce que t'es un peu hypoxique du cerveau, là. Ouais, c'est tellement chiant à monter, c'est quand même raide. Vous voyez, le rover, clairement, il peine. Hein. Il y a des tas d'endroits où il passe pas. Je pense qu'on est arrivé en haut. On est à combien de kilomètres ? Il y a quelque chose comme 5 km du rover. On va rentrer au jetpack. Hein, parce que... Du coup, pourquoi en bail ? Bonne question. Si tu trouves, tu auras peut-être un prix Nobel de médecine. Mais tu as intérêt à trouver le truc... En apnée contrôlée, je fais 60-90 secondes sans entraînement et plus de 2 minutes si je m'entraîne. Ah bah ouais, bah forcément, si tu fais 2 minutes en apnée comme ça, bah c'est pas étonnant qu'en expirant l'air, tu tiennes 20 secondes. T'as déjà vu Seul sur Mars ? Oui, c'est un bon film, c'est de la bonne SF, mais par contre, ça n'est pas réaliste par rapport à ce que certains disent. On est toujours sur les Lowlands, mais bon, de toute façon, je pense qu'on a encore un peu de route là, après. Donc là. Ah si, c'est... Quasi direct au sommet, mais il y a encore de la route là. Utilise une mini tablette ou téléphone fixé à côté de ton écran avec juste le chat. Faudrait que je fasse un truc comme ça, mais il faut que je trouve quelque chose que je puisse brancher et que je puisse mettre sur un pied ou quelque chose, parce que c'est vrai que là c'est chiant. En fait, ce qui est chiant, c'est que je peux pas mettre mes écrans autrement. Faut que je vois. Mais oui, il faudrait que je l'ai là, quelque part. Ou alors si j'essaye de complètement inverser tout mon setup... Ouais, non, j'ai quand même beaucoup d'espace entre les deux écrans, ça reste chiant. Je vais voir. Ou alors faut que je me trouve un truc, vous savez, pour tenir le téléphone qu'on a dans les bagnoles. Que j'arrive à l'accrocher sur l'ordinateur et... Je vais voir. Bon, bah, quand fait qu'on arrive ?
on est bientôt arrivé là ? Non. Et là, on est bientôt arrivé là ? Non. Et là, on est bientôt arrivé là ? Non. Et là, on est bientôt arrivé là ? Ta gueule ! Je vous demande de vous arrêter. Ah bah non, on continue. Attends, on n'est pas arrivé encore. Je n'ai pas vu Away sur Netflix. J'ai toujours été impressionné par le zen des astronautes en situation de stress, ils gèrent. Mais c'est la même chose quand t'apprends à piloter un avion, je crois que je l'avais dit déjà aussi dans un live, j'ai vu quelqu'un qui était très bon, mais qui s'est fait recaler parce qu'il perdait son sang-froid au moindre problème. Et on t'apprend justement à gérer les choses avec zen. Je l'avais déjà dit aussi, je crois, dans une vidéo, c'était pas l'épisode 2 d'Hermès, où j'expliquais que si tu paniques, de toute façon, le fait de courir dans tous les sens en criant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» ça aide pas le schmilblick. Peut-être que tu peux pas aider. Peut-être que t'es dans une situation où tu peux pas aider. Mais tu peux essayer, au moins. Alors que si tu cours partout en criant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» ça aide pas. Je me souviens un jour, alors le chien que j'avais avant, Laika, c'était un charpé. Il était très sympa avec nous, mais bon, il aimait pas spécialement les autres, mais bon, voilà, juste pour l'histoire. Un jour, il s'est blessé au coussinet, sous la patte. Il a dû se couper sur un morceau de verre ou un truc comme ça. On rentre à la maison, alors il pisse le sang, c'est pas non plus, voilà, hein, c'est bon, mais il saigne. Et bon, bah, faut mettre un truc dessus, donc voilà, hein, je lui mets un peu de colle, bandage, machin. Mais pendant que il laissait des traces partout, pendant que je dis à ma mère, essaye de l'attraper quand même pour pas qu'il en foute partout, elle se met à courir dans tous les sens et à rien faire en fait. Elle, je voyais qu'elle était en panique. Et en fait, est-ce que je cherche plutôt une serviette ? Est-ce que je cherche plutôt ça ? Est-ce que je... Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire, machin ? Et en fait, elle faisait rien. À se demander ce qu'elle allait faire, elle ne faisait rien. Elle était en panique. Et merci pour le sub. C'est qui ? C'est Artichou. Et là, je lui ai dit, écoute, j'espère que je serai jamais en train de m'étouffer ou de perdre mon sang ou quoi et que t'es à côté parce que tu feras rien. Tu feras rien. Tu courras partout à te demander ce que tu devras faire et tu feras rien. Et ça, c'est le pire, en fait, la panique. Pareil, une fois je suis arrivé sur un accident de la route, j'avais quelqu'un avec moi, je lui dis donne-moi ci, tends-moi ça, etc. Et à part se tenir la tête et tourner en rond, il faisait rien. Et oh, c'est joli ça, il y a Kerbin qui se lève. Et on est dans les Midlands, on peut s'arrêter. Parfait, on va faire un peu de fianf et on rentre à la maison. Ouais, et en fait, les gens qui paniquent comme ça sont totalement inefficaces. C'était une bagnole, elle était retournée, le mec il s'était arraché la moitié de la peau de la tête, il pissait le sang, c'était une horreur, il fallait le sortir de la bagnole. Et le mec à côté il m'aidait pas, il tournait en rond, il machin, j'ai réussi à le sortir de la bagnole, et alors bon il était moyennement conscient, donc je lui ai remis le, voilà, une serviette autour de la tête, etc. Bon bref. Mais j'ai fait des trucs, je l'ai pas sauvé la vie, hein. Après les pompiers sont arrivés rapidement, etc. Mais j'ai pas rien fait. Si tu tournes en rond en faisant « oh mon Dieu, tu fais rien ». Et si t'es dans un avion, qu'il y a un truc qui part en couille, que t'es là « oh mon Dieu, tu fais rien ». Ça m'est arrivé un jour, mais justement ça je crois que je l'ai raconté dans l'épisode numéro 2 Hermès. Ou peut-être pas, je sais plus. Mais en avion un jour j'ai pété une durite d'huile. Alors, c'est pas super grave, j'aurais peut-être dû me vacher, mais j'étais pas trop trop loin d'un aérodrome, j'ai fait tous les trucs qu'il fallait, j'ai ralenti le moteur pour pas le serrer, etc. Je suis allé me poser. Si j'avais été là, oh mon Dieu, vite, faut qu'on rentre à la maison, machin et tout, je serais peut-être pas là pour vous en parler aujourd'hui. Et ça fait partie de la formation, pendant ton instruction, l'instructeur, il te coupe les gaz et il dit, voilà, t'es en panne, qu'est-ce que tu fais ? Et si ce que tu fais, c'est... t'es recalé. Clairement, t'es recalé. Alors, est-ce que je peux le faire d'ici ? Oui. Donc on va même pas se faire chier, allez, voilà. Collecte là, restore. Et donc dans la vie, apprenez à gérer vos émotions. Apprenez à ne pas paniquer. Parce que si vous paniquez, vous prendrez pas forcément les bonnes décisions dans la vie. Mais si vous paniquez, en fait, c'est sûr que vous prendrez les mauvaises. C'est ça le truc. On ne prend pas de bonnes décisions quand on panique. Au mieux, on n'en prend pas. Au pire, on en prend des mauvaises. Il faut, même si la situation est vraiment grave, il faut s'entraîner. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais il faut s'entraîner
à garder son sang-froid et à réfléchir froidement à ce qu'il faut faire, à ce qu'il y a de plus intelligent à faire, plutôt que juste crier « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Je sais que c'est compliqué, hein. Mais j'ai aussi appris à le faire, et je me suis... Il y a déjà des tas de fois dans ma vie où je me suis rendu compte que je me suis sorti de situations potentiellement compliquées en gardant mon sang-froid. Tu fais wingsuit et tu vises un... la sophrologie. Non, mais juste la gestion de son stress. Je suis infirmier en psy et beaucoup de mes collègues craquent devant un patient menaçant. Gérer son stress, c'est pas facile par moment. Non, c'est pas facile du tout. Mais il faut apprendre à le faire. Ça veut pas dire que vous réussirez à tout faire. Ça veut pas dire que... Voilà. Mais plus vous en ferez, mieux vous vous en sortirez dans la vie. Parce que la panique n'est jamais la bonne situation. Jamais. Alors, je voulais faire un EVA report. Non, pas un EVA, un crew report. Voilà. Tac. Ensuite, toi, tu sors et tu prends toutes les expériences. Allez. Non, c'est là. Take that out. On va en profiter pour planter un drapeau dans les Midlands. Allez, Midlands. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Apprenez à ne pas paniquer. Encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il ne faut pas non plus vouloir tout de suite se mettre dans un avion en flamme et dire « Bon, allez, je garde mon sang-froid. » Non. Bien entendu que non. Mais il faut se mettre dans des situations pas forcément confortables, sans être pour autant complètement ouf, et apprendre à gérer. Apprendre à réfléchir calmement, à gérer, en fait. Et au début, vous apprendrez à gérer des situations... un peu compliqué, ensuite des un peu plus compliqués encore, des de plus en plus tendus. L'idée étant qu'à terme, oui, vous arriviez à vous trouver dans des situations vraiment compliquées, chiantes, casse-couilles, tout ce que vous voulez, stressantes, et à ne pas vous en faire. Aujourd'hui, je crois que je peux dire que dans des situations même assez tendues, j'arrive à pas mal me démerder. Alors, je suis sûr que je perdrai aussi mon sang-froid un jour ou l'autre dans un truc vraiment compliqué. Mais je me suis retrouvé dans des situations, je sais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple. Bon, déjà, intervenir sur un accident comme ça, c'est chaud. Des agressions ou des trucs qui partent doucement en agression, tout ça, en fait, quand tu gardes ton sang-froid, ça se passe beaucoup mieux. Parce que tu prends les bonnes décisions. Quand tu es extérieur à une scène, je sais pas, imaginez maintenant, vous regardez un film... Où justement il y a quelqu'un qui panique, vous n'êtes pas en situation de panique, donc vous dites « Mais c'est pas grave, il a juste à appuyer sur ce bouton, il relance le truc, il va par là et c'est bon. » Ça c'est le genre de décision qu'on prend quand on est froidement pas en panique. C'est des décisions qu'on est incapable de prendre quand on panique. Mais justement, ce qu'il faut c'est réussir à... Oh, je descends trop vite. Le fait que j'arrive trop vite ça va, mais il faut pas que je m'approche du sol trop vite, sinon... voilà. Si je m'approche du sol trop vite, il touche le sol et après il rip sur des kilomètres. Ça, c'est le pire. On freine maintenant. Ouais. Je sais que c'est quelque chose de plus facile à dire qu'à faire. Mais croyez-moi, vous savez, il y a des gens, par exemple, ils ont peur de se faire agresser, alors ils achètent une matraque télescopique, par exemple. Mais en vrai, c'est des gens, le jour où ils se font agresser, ils sont tellement en panique, ils comprennent tellement pas ce qui leur arrive... que non seulement ils oublient qu'ils ont la matraque télescopique dans le sac, une fois qu'ils s'en rappellent, ils n'arrivent pas à la saisir parce qu'ils tremblent tellement, et voilà, donc ça marche pas. Voilà, c'est un exemple, hein, l'agression. Mais en vrai, tu prends exactement la même personne, mais qui sait gérer ses émotions dans ce genre de situation, elle n'a pas besoin de matraque télescopique pour mieux s'en sortir. Pas forcément bien s'en sortir, mais mieux s'en sortir. Pareil, il y a des gens qui ont des extincteurs chez eux en cas d'incendie. Mais en vrai, le jour où il y aura un incendie, ils vont paniquer, ils vont courir dans tous les sens en hurlant, et ils vont pas penser une seconde à aller chercher l'extincteur. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'ils ont paniqué.
Alors que s'ils gèrent leurs émotions, ils peuvent très bien se dire « Bon alors, j'ai pas d'extincteur, mais attends, je vais prendre la couverture qui est dans la pièce à côté, je vais m'enrouler les mains dedans et je vais jeter ça sur la... par exemple, sur la... Merde, comment on dit ? Sur la... sur la... Merde, je suis trop loin pour le rechoper. Sur la... Allez, je cherche le nom. La friteuse en feu, voilà. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. La friteuse en feu, souvent c'est un cas d'incendie qui dégénère. Pourquoi ? Parce que tu sais, quand tu paniques pas, tu sais qu'il faut pas mettre de l'huile sur le feu. Non, c'est pas ça. Oui, bon, l'expression c'est ça, mais il faut pas mettre de l'eau sur l'huile non plus. Ça, normalement, tu le sais, parce que l'eau, en la jetant dans une huile à 200-250 degrés, elle va se vaporiser instantanément, provoquer une explosion. L'huile, en touchant une flamme à proximité ou un truc comme ça, va prendre feu. Et tu te retrouves avec un incendie magistral, sans compter les brûlures au troisième degré que tu as sur la tronche et le reste. J'ai rien oublié dans le rover, moi. Et donc, quand tu réfléchis froidement à ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu te retrouves en situation de panique, comme c'est souvent le cas pour ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jettent de l'eau dessus et ils se retrouvent avec des brûlures graves et la baraque qui part en fumée parce que l'incendie s'est propagé. Et c'est le genre... Voilà, en fait, apprendre à gérer ses émotions, c'est plus important que la plupart des sécurités que les gens veulent prendre habituellement dans la vie. Par exemple, le mec qui dit « je prends un extincteur en cas d'incendie » ou alors « je prends une matraque télescopique en cas d'agression », il est beaucoup plus utile d'apprendre à gérer ses émotions. Parce que si tu gères bien tes émotions dans un cas comme ça, tu t'en sortiras mieux que si tu paniques et que tu n'arrives pas à trouver ta matraque télescopique ou que tu ne penses pas à prendre l'extincteur pour éteindre le début d'incendie chez toi. Il vaut largement mieux ne pas avoir d'extincteur, mais être capable de réfléchir et de se dire « bon, pour le moment, c'est juste la télé qui flambe, qu'est-ce que je peux faire pour l'éteindre ?» Jeter une couverture dessus, ça suffit amplement. Et les couvertures, on en a tous chez nous. Ou même jeter une fringue, n'importe quoi. Paniquer dans tous les sens, prendre un extincteur à eau pour éteindre un incendie électrique, par exemple, c'est aussi une bonne idée, ça. Si vous voulez vérifier rapidement si Saint-Pierre existe. Enfin, voilà. Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent souvent parce que les gens paniquent. Donc, je le redis, si vous voulez faire un truc intelligent dans votre vie, apprenez à ne pas paniquer. Apprenez à gérer vos émotions dans les situations stressantes. Et d'ailleurs, tiens, pour ceux qui sont jeunes, vous savez ce qui est stressant comme situation et où on perd ses moyens, où c'est pas le moment de perdre ses moyens ? Les examens. Je connais des tas de gens très intelligents. Et je vais vous dire franchement, il y avait beaucoup de filles dans le lot. Des filles qui bossaient bien à l'école, bonnes notes toute l'année, etc. Et le jour de l'examen, elles se foutent la pression. « Oh là là, c'est l'examen, si je rate, machin, c'est le bac, c'est le brevet, c'est truc, c'est mûche. » Et en vrai, elles se tapaient des sales notes. Pourquoi ? Parce qu'elles perdaient complètement leurs moyens. C'était des choses qu'elles savaient, mais elles l'oubliaient sur le moment parce qu'elles étaient en panique. Pourquoi ? Parce que... par exemple, ça sert à rien de réviser... Au dernier moment, avant une interro ou un truc comme ça, si vous êtes du genre à paniquer. Pourquoi ? Parce que la zone qui gère la mémoire à court terme, il me semble que c'est l'hippocampe dans le cerveau. Et qu'est-ce qui est juste à côté ? L'amygdale. Et l'amygdale, c'est ce qui balance toutes les hormones et tout ça. Et quand vous êtes en stress, l'amygdale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous en balance dans tous les sens. J'ai fait un examen d'urine, j'ai pas paniqué, c'était positif. Bah bon, bref, juste à côté de l'hippocampe, il y a l'amygdale. Et l'amygdale, en cas de stress, elle va inonder le cerveau d'hormones en tout genre. Et qu'est-ce qui se trouve à côté ? Juste l'hippocampe. L'hippocampe qui est saturé, vous n'y avez plus accès. Et donc, vous n'avez plus accès à votre mémoire à court terme quand vous êtes en situation de panique. Donc, ce que vous avez révisé juste avant, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas ancré profondément vos connaissances dans votre mémoire à long terme, elles vous serviront à rien en situation de panique. Et de toute façon, en situation de panique, vous n'arriverez plus à réfléchir correctement. Donc, le meilleur moyen de réussir ces examens, c'est déjà de ne pas paniquer. Et alors, je vais vous raconter mon histoire personnelle de ce côté-là. La première fois que j'ai fait un examen, c'était le brevet des collèges. Et toute l'année, on m'a mis la pression en disant oh, « Attention, si t'as pas le brevet des collèges, plus tard dans la vie, tu seras un raté, tu machin, brevet des collèges, etc. » Donc moi, je me mets à flipper, j'ai jamais fait d'examen. On est dans une grande salle, il y a plein de classes rassemblées et tout, je me dis « Waouh !» Et se présente le brevet,
Enfin, je suis devant la feuille, je regarde le sujet, et je me dis, mais attends, bah, c'est juste une grosse interro, c'est pas, voilà, rien de ouf. Et donc du coup, bah, j'ai passé mon brevet sans aucune difficulté particulière, on va dire. Alors attendez voir, on va décoller, mais je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Alors, on va ranger un petit peu tout le merdier, là, voilà. On va activer les moteurs. Non, on va pas les activer tout de suite. On va d'abord régler le pilote automatique. On va se mettre à 100 km d'altitude. Pilote automatique engagé. Il faudrait aussi un directeur de vol là-dessus. Y a pas ? Pour être sûr qu'il fait pas de conneries. Et du coup, j'active les moteurs. Et ça se passe bien. Ok, donc je disais, je passe le brevet des collèges et en fait, bon, grosse interro quoi, pas de quoi s'en faire. Et c'est le seul examen pour lequel j'ai stressé avant, du coup. Parce que après, arrive le bac. Et le bac, on me dit, bah c'est comme le brevet, mais en plus important. J'ai dit, oh, bah, c'est juste une grosse interro. Ah oui, mais ça dure la semaine. Oui, bon, bah une semaine d'interro, c'est chiant, mais c'est pas dur quoi, c'est juste chiant. Les interros, personne n'aime ça. Si tu dois t'en taper toute la semaine, bon, c'est chiant. Et donc, bah voilà, hein, le bac blanc arrive, et puis bah effectivement, le bac blanc, c'est juste une grosse interro. Bah finalement, 3 semaines avant le bac, j'étais sur la PlayStation. Hein. J'ai pas révisé, j'ai dit oui, bon, bah, j'ai révisé toute l'année, je connais mes cours, c'est bon, hein, voilà. Et puis j'ai eu le bac sans forcer, hein, sans aucune difficulté. Et puis après j'arrive à la fac et on me dit, tu vas voir les partiels, c'est comme le bac, mais tous les 6 mois. Je dis, oh bah, on n'a pas besoin de réviser pour ça alors. Donc je révisais juste ce qu'il fallait pour connaître mes cours, et puis voilà, j'ai toujours eu tous mes partiels. Si, il y a juste une fois, c'était quoi, c'était en deuxième ou troisième année de licence, j'étais au rattrapage, mais j'avais une bonne excuse, je m'étais fait larguer avant, donc là j'ai vraiment pas bossé du tout, j'étais vraiment, voilà. Et elle est belle la carbine avec les modes, hein. Et là, ouais, là, je suis allé au rattrapage, quoi. Donc, t'as quoi comme formation ? Alors, bac scientifique, option sciences de l'ingénieur. Ensuite, c'est compliqué parce que j'ai bossé 1 an pour financer les études. Donc là, formation, rien. Et ensuite, en fait, à ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mon père m'a dit, t'as qu'à chercher un boulot dans l'environnement. Tu vas bosser avec les trucs du coup que t'aimes bien, et puis c'est un truc qui a le vent en poupe, il avait le nez creux, hein, parce que vu que maintenant toutes les conneries sur l'écologie. Et alors là j'ai fait une erreur, une grosse erreur qui m'a fait perdre pas mal de temps dans ma vie je pense. Je suis allé dans un CIO, centre d'information et d'orientation, mais il ferait mieux d'appeler ça un CID, centre d'information et de désorientation, voire même de désinformation. Parce que je dis à la nana, ouais, j'aimerais bosser dans l'environnement. Donc l'environnement, c'est les éoliennes, le recyclage, enfin les trucs, voilà. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tape environnement dans son moteur de recherche, j'aurais pu le faire aussi. Et elle me sort hygiène, sécurité, environnement. Ah, ça, c'est sûr, c'est pour toi. Hein. Et elle m'a survendu le truc. Et arrivé là-dedans, je me rends compte que c'est surtout hygiène, sécurité. Donc en gros, c'est le responsable de la sécurité dans l'entreprise. Et environnement, c'est environnement de l'entreprise. C'est genre, faut pas laisser traîner les sacs poubelles autour du hangar, quoi. Rien à voir avec l'environnement, l'écologie, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben, maintenant que je suis là, je suis inscrit, tout ça, ben, je valide mon année, et après, je me casse. Et c'est là que j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que j'aime bien autrement, ça, ben, l'histoire. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça m'est venu, c'est surtout... j'avais des amis qui, à ce moment-là, étaient eux-mêmes étudiants à Strasbourg. Ils m'ont hébergé une semaine et pendant une semaine, j'ai dit je vais aller suivre un peu tout et n'importe quoi comme cours à la fac en auditeur libre, je vais voir ce qui me plaît. Et ce qui m'a plu, c'était l'histoire. Et en histoire, il y avait un débouché, c'était prof. Et prof, il y a pire comme situation. Hein. Et donc, je me dis oui. Alors, j'ai fait un peu de Cinoche. Cinoche, c'est sympa, mais voilà, c'est une option pour futur genre RSA. Quoi, hein. Voilà. La socio, le droit, tout ça, ça ne me branchait pas plus que ça. Et donc, je me retrouve à faire 3 ans d'histoire, une licence, et on a commencé à faire de la recherche. Mais on m'avait jamais expliqué comment faire de la recherche, zéro méthode. On m'a juste dit, vas-y, cherche, quoi. Voilà, t'as une bibliothèque, cherche. Mais voilà, aucune méthode. Donc j'ai détesté ça. Et alors, à la fin, bah, y avait master enseignement ou recherche. J'ai dit, ouais, non, nix recherche, la recherche, c'est pourri, je vais faire enseignement. Et en enseignement, qu'est-ce que tu fais ? De la recherche, tu dois faire un mémoire. Bon, et donc j'ai pas vraiment apprécié cette période, d'autant que ben, je suis arrivé juste après la réforme
de la formation à l'IUFM. Avant, tu passais un concours pour rentrer à l'IUFM, pour voir si tu avais le niveau. Et une fois entré à l'IUFM, tu avais 2 ans où on t'apprenait à apprendre. On t'apprenait la pédagogie, la didactique, la machin. Là, le concours s'est retrouvé à la fin de la formation. Donc pendant ces 2 ans, on t'apprenait à passer le concours pour devenir prof. Donc en gros, tu avais tous les teubés. Je veux dire, tu entres en master pour devenir prof. Tu sais pas faire la différence entre E accent aigu et ER, il y a un problème. Je veux dire, les fautes d'inattention, ça arrive à tout le monde, mais ne pas savoir faire la différence, il y a un problème. Et toi, tu veux devenir prof. Et pendant 2 ans, c'était entre guillemets des cours de rattrapage. Je suis allé au premier cours de maths. La prof a testé le niveau de tout le monde. Elle a dit, bon, bah, va falloir revoir les bases, genre poser une division. Je lui ai dit, écoutez, madame... Moi, je sais poser une division, je sais faire une règle de 3, je sais faire tous les trucs que vous nous avez foutus au programme pour les 6 prochains mois. Appelez-moi les jours où il y a des interros, le reste du temps, je viens pas, désolé. Je vais trouver autre chose à faire que d'apprendre un programme de primaire, quoi. D'ailleurs, j'avais aussi des complotistes Apollo et tout dans la promo. Hein. Quand le prof de physique-chimie nous a expliqué Apollo, la Lune, machin, tout ça. Ouais, mais monsieur, on n'est pas vraiment allé là-bas. Enfin, bon, bref. Donc je me suis retrouvé 2 ans à l'IUFM, truc que j'ai séché les 3/4 des cours, et ça m'a pas empêché d'avoir le concours. Hein. Après ça, bah, je me suis retrouvé prof pas bien longtemps, je me suis très très vite cassé, et je me suis retrouvé photographe derrière. Arnaud KSP installe le mode KSRSS, c'est le système solaire mais à la taille de Kerbin. Mais par contre, il marche que jusqu'à la 1.8 et prend le modem CNES pour refaire Hermès. Non, Hermès, on va essayer de la faire avec les pièces vanilla. Je disais la dernière fois, j'aime pas trop les modes de pièces. Et puis pareil, ça fait chier s'il faut que je retourne à la 1.8. Je vais voir. On peut peut-être utiliser le warp pour arriver jusqu'à 100 km d'altitude et puis circulariser notre orbite. Avant de repartir vers Kerbin. On va essayer de pas faire la même connerie que la dernière fois. Bon, on a quoi? On a 1200 mètres par seconde dans le réservoir. Elle nous dit quoi la trajectoire là? Ouais, elle dit que c'est bon. Et donc du coup, il y a régulièrement des gens qui demandent, mais du coup, dans la vie, t'es astronome? Non, je suis pas astronome, je suis prof. C'est-à-dire que je n'ai aucune connaissance particulière en astronomie, mis à part ma culture générale, parce que j'aime l'astronomie. Mais moi, mon super pouvoir, c'est de prendre des choses potentiellement compliquées et de les rendre accessibles à quelqu'un qui n'a pas la base. C'est ça, être vulgarisateur. C'est même moins bien qu'être prof, parce que prof, il prépare les cours, il fait les examens, il machin, il s'assure que tu as une connaissance que tu peux réexploiter derrière. Non, moi, je fais juste de la culture G pour le plaisir. Donc... C'est pour ça que je dis, être youtubeur, c'est vraiment pas exceptionnel. Hein. On fait même moins le boulot d'un prof, et puis vous demandez pas des autographes à vos profs. Donc, on fait vraiment pas un travail exceptionnel, dans le sens où des tas de gens en France sont très bons en pédagogie. On n'est pas exceptionnel. Nous, la seule chose qu'on a, c'est qu'à la fois, on sait faire du montage vidéo et de la pédagogie. Voilà. Et du coup, ouais, mon super pouvoir, moi, sur YouTube, c'est ça. C'est de savoir prendre des... Je découvre une histoire, un truc ou une notion qui peut être intéressante. Je la bûche jusqu'à moi-même l'avoir comprise. Une fois que je l'ai comprise, je suis capable de concevoir un raisonnement ou de détailler le truc pour pouvoir le faire comprendre à d'autres. Le boulot de prof, c'est ça. Le boulot de prof, c'est pas de savoir faire une division, c'est de savoir faire comprendre à un gamin ce qu'est une division. Et après, de lui apprendre la méthode pour la poser, machin, etc. Mais il faut déjà que dans la tête du gamin, il comprenne qu'il peut séparer un nombre en deux, etc. Voilà, le boulot de prof, c'est ça. Et le boulot que je fais aujourd'hui sur YouTube, c'est ça, sauf que mes élèves... Alors des fois, il y en a des cons, hein. « Oh, mais moi, j'ai vu un vrai ovni !» Bon, bref. Et encore, ça, c'est pas les pires, parce que le mec, il croit qu'il a vu un ovni, c'est bon, mais celui qui t'insulte parce que tu lui dis qu'il a peut-être juste vu la Lune... Enfin bon, bref, mes élèves sont quand même... Déjà, j'en ai plus. Ils sont contents d'aller en cours. Ça, il y a des tas de profs, ils peuvent pas en dire autant. Moi, mes élèves sont contents que je leur parle de physique quantique.
Voilà. Et quand ils me croisent dans la rue, ils sont contents de me voir. Parce que moi, il y a des tas de profs, je les croisais, je n'avais pas à leur dire bonjour. Voilà, donc je suis très content de mon boulot. Finalement, il change. En quoi il change du boulot que j'avais avant? Parce que j'avais aussi à faire des recherches, à faire des cours pour les élèves et tout. C'est que là, je le fais à mon rythme. Et que je parle de ce dont j'ai envie de parler, parce qu'il y a des cours, mine de rien, quand tu te mets à faire de la grammaire ou quoi. Oh, putain, l'horreur. Donc ça. Et les élèves sont contents de venir en cours. Il y a un truc qui m'a fait bizarre et qui m'a fait me dire que j'ai vraiment fait le bon choix de carrière, quoi. C'était où? C'était à... Comment ça s'appelle? À Arlon, en Belgique. Lors d'un festoche de Vulga, machin. On m'a demandé d'animer de faire une présentation un peu, enfin voilà, une espèce de conf quoi, mais j'avais une salle de classe. Et le thème que j'ai choisi, c'est les différentes techniques pour filmer simplement, s'éclairer, etc. avec pas beaucoup de matos. Bon écoutez, j'ai pas envie de me faire chier, ils vont tomber dans l'océan, d'accord. Je vais peut-être juste essayer de les faire tomber du côté jour. Et donc je prépare ma présentation, tout ça, et puis c'était assez technique, c'était... d'une certaine manière un peu chiant parce que je parlais juste d'éclairage machin, enfin c'était pas passionnant, je pense, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas un peu au sujet, on va dire. Et vous savez quoi, je vais monter Périgée à 30 km, je pense c'est sûr, on freine assez pour rentrer. Ok. Et donc je disais c'était la première fois de ma vie où il y avait des gens qui faisaient la gueule à la porte, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Oh non, la salle est pleine, je peux pas venir. Allez, s'il te plaît, je peux venir, je me mets au fond, je reste debout, je fais pas de bruit. Vous rendez compte, en tant qu'ancien prof, qu'il y ait des dizaines de personnes comme ça qui regardent encore à la porte, qui veulent rentrer dans la salle et tout, je me dis, c'est bon, là, en tant que prof, j'ai fait le bon choix dans la vie, quoi. Malheureusement, une vidéo ne remplace pas un vrai cours où tu réfléchis, c'est bien pour apprendre d'un sujet en superficie, mais pas de le maîtriser. Absolument, c'est ce que j'ai dit, hein. On fait pas le boulot d'un prof. Le prof, normalement, il fait un peu de suivi derrière, hein. Déjà, il te fait faire le truc, parce que regarder quelqu'un faire, t'apprends pas. Il faut le faire toi-même. Il faut faire le raisonnement toi-même aussi pour le retenir, etc. Donc, c'est pour ça. La vulga, c'est de l'entertainment. On n'est pas des profs, hein. Quand je reçois des messages disant « Oh, j'aurais bien aimé que tu sois mon prof », je dis oui, j'aurais pu être prof. Mais en tant que prof, je t'aurais collé des exercices à la con, je t'aurais collé des interros, je t'aurais collé plein de trucs, hein, aussi. Et justement, c'est le cas de Nathan. Nathan du chat sceptique, lui, il est prof. Il est prof de maths ou de statistiques, ou je sais plus, un peu des deux. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, on discutait avec lui, il était emmerdé parce qu'il avait dû recaler une élève qui avait montré énormément de bonne volonté, mais juste ce qu'elle a fait, c'était pas bon, quoi. Et il a dû la recaler sur un mémoire ou un truc comme ça. Ça fait chier, mais voilà. Bon, alors je crois qu'il est temps de larguer le module, le dernier module, là. Alors, pas faire de conneries, non, c'est bon. Allons-y. On démarre les petits moteurs de rentrée, mais là, du coup, on va peut-être pas en avoir besoin. Position rétrograde. Oh, c'est joli, ça. Alors, petit screenshot. Tac. Voilà, oh, c'est joli, une éclipse de soleil par le module. Et donc du coup, vulgarisateur, c'est carrément pas être prof. Mon boulot est beaucoup plus simple, j'ai pas à vérifier d'ailleurs si vous avez compris, s'il y en a dans le lot qui n'ont pas compris, c'est dommage pour moi, mais tant pis, alors que quand il y a un élève qui n'a pas compris, il faut que tu refasses et tout, hein, pour qu'il comprenne quand même. Donc le boulot du vulgarisateur, c'est pas le boulot de prof, c'est moins que du boulot de prof, mais le but c'est quand même de faire comprendre des concepts compliqués aux gens. Et le fait est quand même qu'il y en a beaucoup qui comprennent, hein. Normalement quand vous regardez mes vidéos, vous comprenez à peu près ce que je dis. Après vous allez peut-être pas retenir non plus parce que c'est pas important, ou alors justement comme vous l'écoutez d'une oreille, etc. Voilà, c'est carrément pas un boulot de prof. J'ai eu des profs tellement non pédagogues que j'apprenais tout seul. Mieux tout seul qu'en cours, ouais, moi aussi, hein. Mais bon, voilà, pour dire que j'ai été prof, je pense que j'étais bien parti pour être un bon prof, mais j'ai plus envie à un moment. C'était, enfin non, quoi.
Je suis bien mieux. Merci pour le sub, Tomise. Moi, dans ma vie, j'ai fait le bon choix parce que je m'amuse beaucoup plus dans mon boulot aujourd'hui. J'y prends beaucoup plus de plaisir. Mais des profs, il en faut. Hein, de toute façon, ça, c'est clair. On peut pas tous faire ça. Mais prof, de toute façon, j'aurais pas pu rester. Ça m'aurait cassé les couilles. J'en avais déjà parlé. J'avais l'impression de pas avancer. Tu expliques un truc un jour, le lundi, à un gosse, il vient pas pendant 3 jours, il revient, il a oublié. Voilà, pourquoi je me fais chier, quoi. Et les élèves dont j'aurais pu faire quelque chose parce qu'ils étaient assidus, parce que les parents suivaient, j'avais pas le temps de m'en occuper. Il fallait que je sépare les deux petites frappes qui étaient en train de se foutre sur la gueule. Donc je dis non, mon énergie, je peux beaucoup mieux l'exploiter, quoi. Voilà. Et je suis bien plus heureux aujourd'hui dans la vie. Je regrette pas une seule seconde. Le jour où j'ai quitté ma place de prof, je me suis dit, tu renonces quand même à la sécurité de l'emploi, tout ça. Et j'étais photographe depuis 2 ans, je gagnais pareil. Je me suis dit, ouais, bah, je suis plus heureux aujourd'hui, quoi. Je bossais pendant les vacances, hein, parce que bon, les vacances d'été, c'est là où ça se marie le plus. Je bossais le week-end. Mais bon, j'avais aussi des vacances de 6 mois en hiver, ce qui n'était pas forcément top, hein, parce que des fois je me sentais un peu désœuvré, mais... Et puis bon, y a ce que je disais aussi, il y a des mariages en hiver, mais bon... Je pense clairement avoir fait le bon choix. Ça va être de la méga descente, là. Ah, je commence à voir l'horizon qui s'éclaire. Notre entrée de nuit, on va se poser 2 jours, normalement. Ou peut-être pas, parce que là, on est vraiment en train de plonger dans l'atmosphère. Ouais, non, on va se poser de nuit, là, je crois. Ah, ouais. La trajectoire était pas bien calculée. Bon, c'est pas grave. En vrai, on préfère les faire se poser de jour, parce qu'au moins, on les voit rentrer, on voit où ils tombent, etc., si jamais. Voilà, on va faire... À faire avec, c'est pas grave. Alors déjà, on va mettre la référence le sol et pas la mer, parce que la mer, si je suis au-dessus des montagnes et je me dis « Ah, oh, il y a encore 5 km », d'un coup, j'entends boum, crash et ah, quick save, ça marche là ? Ouais. Ok. T'entends boum, crash et puis tu comprends pas pourquoi. Donc là, je suis à 15 km de hauteur. Donc la différence entre hauteur et altitude, l'altitude, c'est par rapport au niveau de la mer, la hauteur, c'est par rapport au niveau du sol. C'est pour ça que dans Flight Simulator, tu commences avec l'altimètre à 800 pieds, parce que t'es à 800 pieds d'altitude. À 0 de hauteur. Est-ce que éventuellement crew report, machin? Ah oui. Ah bah on va finir dans la flotte, déjà, c'est pas mal. D'où le fait qu'en fait quand je change les deux, ça change pas. Ok. Bon, on approche des 5 km, on va pouvoir sortir au moins le premier parachute. Voilà. Parachute de traînée. On va ouvrir l'autre à 2 km. Ce sera bien. Allez. Ça au moins. Ah bah en plus il ouvre l'autre. Très bien. Et du coup tu bosses beaucoup plus. Et si tu bosses pas, tu ne gagnes plus d'argent. T'es sûr que t'as fait le bon choix ? Oh que oui. Parce que j'ai envie de bosser. En fait, je bosse beaucoup plus, mais j'ai pas la sensation de travailler. Là, théoriquement, je suis au boulot. Là, streamer, d'une certaine manière, ça fait partie de mon boulot. C'est pas le truc qui rapporte clairement de l'argent. Bon, je reçois des subs, hein, mais c'est pas le truc qui me fait vivre. Là, théoriquement, je suis au boulot. Là, d'ailleurs, je suis sur mon lieu de travail. Ça va. J'ai pas trop la sensation de bosser. Et même quand je fais une vidéo, des fois jusqu'à 10h du soir, j'aime faire du montage, tout ça. Donc j'ai pas la sensation de bosser. En général, c'est plutôt du style oula, va falloir que j'arrête. C'est plutôt ça. Et le fait d'arrêter de bosser et de plus avoir de boulot, ça m'arrive des fois d'arrêter de bosser. Des fois, je suis malade. Des fois, je vais pas bosser une journée, mais j'ai besoin de prévenir personne. Et puis, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, je fais un travail quand même globalement intellectuel. Déjà, la fatigue, je fais des bonnes nuits de sommeil. Hein. Si une fois le matin, je me suis couché tard la veille, etc., faut que je dorme 1 heure ou 2 de plus, je peux. Je vais pas être en retard au boulot, c'est moi qui décide. Donc du coup, je vais arriver frais et dispo. Je vais peut-être travailler un petit peu plus le soir, mais bon, du coup, tout va bien. Et j'ai pas... oui, il y a des jours où je gagne rien, mais... c'est pas grave.
Parce que le reste du temps, je bosse. Donc, pire, tout va bien. Et puis bon, je suis aussi à la sécu, si une fois j'ai un truc, machin, hein, tout va bien. Pense sauvegarde avant chaque action. Ouais, j'ai fait une quick save, là, donc ça va. Très bon proverbe confucéen. Bah, moi, je bosse pas, en fait. Je veux dire, je kiffe faire des vidéos. Je veux dire, demain, ça serait même pas mon boulot que j'en ferais dans mon temps libre. Voilà. Splashdown. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon. J'ai pas la sensation de travailler, donc tout va bien. Je peux bosser 70 heures dans la semaine, YOLO, quoi. Il n'y a aucun problème. Et c'est ce que je disais aussi plus tôt dans le stream. Hein, ceux qui pensent avoir les épaules de pouvoir faire un boulot comme ça tout seul dans leur coin, envisagez-le, hein, parce qu'on est sacrément mieux dans la vie après. Hein. Alors, on va débloquer un petit peu tout ce qui peut... Oui. Bof. Encore oui. Oui. Pièce d'avion, il n'y a rien d'urgent. Je vais d'abord débloquer un peu le reste. Oui. Bof. Allez, ça. Ah, ça baisse vite hein, quand même. Malgré tout ce que j'ai ramené là, je suis en train de... Je sais pas si je vais réussir à débloquer tout l'arbre. Hein. Ah voilà, je suis bloqué. Donc comme quoi, même en trichant un peu sur la science, il en faut un sacré paquet. Mais nous avons presque 5 millions en poche. On a débloqué, là maintenant je pense que je peux concevoir à peu près tous les vaisseaux que je veux par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, le reste on va attendre, c'est assez cher là. Sauf ça, peut-être, allez. Voilà. Bon, KSP, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui quand même. On peut encore discuter un peu si vous voulez, mais... En histoire, j'ai déjà aidé un ami prof à réviser l'histoire de la Nouvelle-France en révisant avec ses élèves costumés en colon français du 17e siècle. Les élèves ont tellement kiffé qu'ils ont eu des notes largement au-dessus de la moyenne lors de l'examen. Donc l'entraînement est très bon pour allumer l'intérêt des étudiants et améliorer la concentration des élèves. Absolument. Avec l'URSSAF, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a avec l'URSSAF ? Non mais je cotise, hein, les gens. Je fais pas ça au black, hein. Donc de toute façon, je cotise pour la retraite, je cotise pour les caisses maladie, tout le merdier, pas de soucis. Hein. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va se faire Minmus. D'accord ? Parce que là, la mine, c'est bon. Minmus. Alors...